Chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, pour échanger notamment sur le plan France Ruralité qui a été présenté par la Première ministre le 15 juin dernier. Madame la ministre, un grand merci. Merci d'avoir accepté cette invitation sur des enjeux, vous l'avez compris, qui intéresse, qui passionne notre commission, notamment sur le volet de l'aménagement du territoire, sur des sujets essentiels qui concernent bien entendu beaucoup de circonscriptions des collègues de cette commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et nous le savons, qu'il s'agisse des mobilités, de la localisation des activités productives ou énergétiques, de la gestion des espaces naturels, agricoles et forestières, ou encore du développement des territoires. Nous avons toujours eu à cœur de débattre de la situation particulière des espaces ruraux. Ils sont un enjeu de réflexion à part entière, ces espaces ruraux, et je tiens à rappeler que nous devons avoir à l'esprit que 22 millions de nos concitoyens y vivent dans ces espaces et que 88% des communes françaises sont rurales. Et je pense que c'est une fierté que d'avoir ces communes en ruralité. Il est donc de notre responsabilité de porter les enjeux de cette ruralité. Mais il n'y a pas qu'une ruralité, ça dépend bien entendu des caractéristiques de nos territoires. Et il faut par conséquent, avoir des réponses adaptées à ces caractéristiques. Madame la ministre, vous avez, dès votre prise de fonction, il faut le dire, entrepris d'évaluer les mesures de l'agenda rural. Vous en avez fait une de vos priorités. Je tiens à saluer votre implication dans cette démarche qui a été un préalable indispensable. Il en résulte un plan qui était attendu avec la mise en place de nouveaux outils comme Village d'avenir, sur lesquels nous souhaiterions bien sûr avoir des précisions. Des mesures concrètes ont aussi été annoncées pour répondre aux déserts médicaux ou en matière de mobilité. Et puis, bien naturellement, se pose la question des moyens financiers dédiés et de leur traduction législative. Vous l'avez compris, Madame la Ministre, notre commission est prête à porter des mesures à vos côtés sur le plan législatif. Je ne serai pas plus long, Madame la Ministre, et donc je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous présenter les enjeux de ce plan France Ruralité. Et comme il est d'usage, les collègues auront l'occasion de vous questionner sur cette présentation. Voilà, Madame la Ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, c'est un vrai plaisir, non dissimulé, que de partager France Ruralité avec vous, d'écouter ensuite vos questions, vos remarques. Et ça va être finalement une séance de travail. Je vais essayer de tenir en 15 minutes le déroulé de France Ruralité en 20 slides rapides pour que on puisse sortir de cette salle en se disant qu'on a compris de quoi il s'agit, parce que je l'ai voulu simple et qu'on peut ne pas être d'accord, mais surtout qu'on comprenne ce qui est fait, les quatre axes, pourquoi et qu'est-ce qu'ils contiennent. Donc France Ruralité en introduction, vous dire que, comme ça a été dit par Monsieur le Président, c'est le fruit d'un travail de 6 à 12 mois de concertation, d'analyse, de bilan que nous avons conduit. Le bilan était conduit par Monsieur Kejlar, qui est un inspecteur de l'IGEDD. Les concertations, elles étaient conduites par Pierre, qui est mon directeur de cabinet adjoint et qui a fédéré environ 300 personnes, beaucoup de rencontres avec toutes les associations d'élus, beaucoup de rencontres avec tous les parlementaires qui m'ont indiqué qu'ils étaient intéressés par la ruralité et les ruralités. Et nous avons présenté à la Première ministre en janvier le fruit de ce travail. Nous l'avons amendé de nouvelles rencontres et elle l'a annoncé il y a maintenant un mois. France Ruralité, voyez, au cœur de l'équité territoriale, il y a deux mots que j'aime bien souligner en introduction. Le premier, c'est égalité. Et pour moi, l'égalité des chances dans les territoires ruraux, c'est ce qu'on a eu tous à cœur de permettre, parce qu'on voit bien que notre ascenseur social est un peu en difficulté, même beaucoup. Et donc, l'égalité des chances en ruralité. Mais par contre, l'équité des territoires, comment on peut véritablement permettre que nos
citoyens, et ne nous voilons pas la face, que nous disent-ils en ruralité ? Qu'ils ressentent un sentiment de relégation, un sentiment d'abandon, et d'où ce terme d'équité territoriale. On a travaillé autour de ces axes. Vous voyez donc qu'il y a 5 chapitres que je vais passer brièvement. Le premier, pour vous dire que on ne m'a pas attendu au gouvernement pour travailler sur les ruralités, et beaucoup de choses ont déjà été faites par ce Parlement et par mes collègues Jacqueline Gourault et Joël Giraud. Le deuxième, pour vous dire que l'on porte l'objectif qui soit lisible, simple, efficace, mais c'est vous qui nous le direz. Et puis 4 axes que je vous développerai très brièvement. L'édito, c'est quasi le même que celui que vous avez pu lire dans le dossier de presse. Et là, on voit comment notre gouvernement a agi avec Action Cœur de Ville pour des villes environ de 20 à 100 000 habitants, Petite Ville de Demain de 20 000, même si ces franges que je donne ne sont que très approximatives. On n'avait pas voulu de franges, il n'y en a pas, mais il nous manquait pour les villages un programme d'ingénierie, et c'est ce qui est venu compléter France Ruralité. Ce programme d'ingénierie au sein de France Ruralité va s'appeler Village d'avenir. Mais on avait déjà un agenda rural avec plusieurs milliards d'euros qui ont été injectés. Il faut saluer le travail de votre assemblée et de Jacqueline Gourault et de Joël Giraud, comme je le disais. 181 mesures, peut-être un manque de lisibilité, en tout cas c'est ce que le rapport de l'inspecteur Kejlar nous a dit. Un plan Avenir Montagne que nous continuons avec aujourd'hui une soixantaine d'agents, de chefs de projet qui sont dans nos intercommunalités et qui travaillent à cette transition que les collectivités locales en montagne ont à conduire. Des résultats concrets, je pourrais y passer une bonne demi-heure. Il y en a dans un peu tous les domaines, et les programmes de l'ANCT portent tous en leur sein la marque de l'agenda territorial, mais nos citoyens ne l'ont peut-être pas perçu. En tout cas, les intercommunalités savent à quel point territoire d'industrie a été extrêmement intéressant pour nos intercommunalités rurales. L'aménagement numérique, même s'il nous reste beaucoup à faire, beaucoup a été fait, etc. 92% des mesures de l'agenda rural sont réalisées. Il en reste encore d'autres, donc l'agenda rural ne s'arrête pas. Celles comme les VTA, dont vous m'entendrez parler très brièvement, volontaires territoriaux en administration que nous finançons auprès des collectivités rurales, ces VTA, on a pu remettre du budget dessus, et elles peuvent toujours recruter des jeunes diplômés, bac plus 3, bac plus 5, souvent aménagement du territoire, ingénierie culturelle, c'est ce qui intéresse les collectivités et ces jeunes. À la fois, ils sont extrêmement précieux, ça n'est que des succès, ceux qui ont embarqué des VTA dans leur collectivité, mais en même temps, ils augmentent leur employabilité. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ils ont une super expérience dans les territoires. Une approche plus simple, plus lisible, je passe vite. Les ruralités avec un S, je pense que c'est une évidence pour tout le monde, vous l'avez dit, monsieur le président. Je veux quand même rappeler que... non, c'est pas là que l'on parle de nos forêts. C'est un petit peu plus loin. Et j'arrive aux 3 marqueurs que nous avons voulu quand nous avons travaillé sur France Ruralité collectivement. C'est d'abord une approche partenariale. Ça n'est pas l'État qui arrive et qui dit « les ruralités, on a compris ce qu'il vous faut et on vous le délivre ». Rien de cela. Ce n'est pas une mesure par exception, pas deux. Toutes les mesures de l'agenda rural, toutes, nous les accompagnons, mais elles doivent être issues des territoires ruraux, d'associations rurales, de collectivités rurales, de commerces ruraux. Mais en tout cas, tout ce que nous avons proposé est vraiment un accompagnement d'initiatives locales. Donc la première chose, c'est évidemment de travailler en partenariat. Avec nos petits bras, c'est pas suffisant. Il nous faut travailler, encore une fois, avec le tissu associatif, avec les socio-professionnels et bien sûr avec les collectivités locales. Je vous en dirai quelques mots. La simplicité, la lisibilité, il y a 4 axes. Il me semble que c'est simple. Et puis des indicateurs de mesure, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, Président, je me lasse un peu de ces évaluations ex post où, en fait, on n'a pas mis les indicateurs au début et à la fin, on évalue avec des indicateurs pertinents quand même, parce que le rapport Kejlar qui évalue l'agenda rural, il l'a évalué, et tous ceux qui ne l'avaient pas téléchargé, je vous invite à le faire. C'est un rapport super pertinent qui sait dire ce qui va bien, ce qui va moins bien. Mais en tout cas, c'est encore mieux si on met des indicateurs de mesure dès le départ qui nous permet de dire comment on pense qu'on va devoir évaluer cette
ce programme de politique publique qui s'appelle France Ruralité. Voilà les quatre axes. Donc, j'aimerais que chacun d'entre vous ait compris ce que l'on a voulu faire, encore une fois, tout en acceptant parfaitement que vous ne partagiez pas ce que nous vous proposons. 1. Soutenir les villages dans leurs projets, c'est de l'ingénierie. J'ai fait 83 visites depuis juillet, j'en avais fait 65 fin décembre qu'en ruralité. Tous les maires de ruralité, mais aussi les PETR, mais aussi tous les acteurs de la ruralité nous disent « Mais oui, vous nous donnez de l'argent en investissement, mais pour aller chercher de l'argent en investissement de la région, au département, de l'État, il nous faut de l'ingénierie, nous n'avons pas les moyens, il nous faut de l'ingénierie. » Donc on répond à ce besoin que l'on a perçu comme étant nécessaire. Il est évident qu'on a une énorme disparité de territoires. Il y a des territoires dans lesquels les intercommunalités amènent de l'ingénierie, des départements dans lesquels ils amènent de l'ingénierie, des PETR dans lesquels, en ruralité, ils amènent de l'ingénierie. La difficulté, c'est que nous n'avons pas, et on en est quand même très content, mais on n'a pas une France unifiée. On a une France très diverse. Et il nous faut prendre en compte le fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de territoires dans lesquels il manque d'ingénierie. Le deuxième axe, ben, c'est pour faire tout simplement de nos ruralités des acteurs de la transition écologique. On dit à nos collectivités rurales et à nos élus locaux, ruraux, vous êtes riches de cet air pur, riches de vos forêts, riches de l'eau. Mais en attendant, il n'y avait pas de rémunération, à l'exception des communes qui se trouvaient dans les parcs naturels et dans les zones Natura 2000. Et là, le deuxième axe, c'est d'apporter, de rémunérer toutes les communes qui ont des forêts, des bois, tous ces sols qui captent le CO2 et qui viennent eh bien, contribuer à cette neutralité carbone que nous avons tous chevillée au corps. Le troisième axe, après avoir apporté de l'ingénierie dans nos villages, après avoir rémunéré ces aménités rurales, le troisième axe, c'est les solutions aux besoins du quotidien. Et vous allez voir qu'on les apporte de façon très diverse. Mais c'est évidemment les sujets de lutte contre les logements vacants. Il n'y a pas un village où on n'ait pas des logements vacants en France. Je caricature, mais le chiffre fait peur. En ruralité, nous avons 900 000 logements vacants. On pourrait loger facilement 2 millions de personnes si on travaillait sur ce sujet des logements vacants. Donc c'est notre objectif. La mobilité, on met des milliards dans le train et le bus, c'est génial. Mais comment faisons-nous en ruralité pour permettre à une dame âgée de se rendre à un rendez-vous médical, permettre à une dame, pas si âgée que ça, mais qui ne conduit pas, qui est allée voir ses enfants, qui quand elle rentre chez elle, il reste 20, 30, 40 kilomètres après l'arrêt de train ou l'arrêt de gare pour arriver chez elle. Donc on a besoin d'une mobilité du dernier kilomètre en ruralité. Et puis pour finir, on a besoin de renforcer l'attractivité économique de nos territoires ruraux. Il y a déjà de l'artisanat et de l'industrie, on a envie de le renforcer. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il va nous falloir un socle législatif. France Ruralité, si ça n'est pas le cas, il faudra nous le dire quand on va le déployer, le mettre en œuvre. On veut impérativement que le citoyen soit au cœur de France Ruralité. C'est quelque chose que l'on se dit au niveau du cabinet, qu'on dit à nos administrations. Et le citoyen, on veut quoi ? Tout simplement améliorer sa qualité de vie en ruralité. Ça veut dire qu'on travaille avec tous ceux qui sont présents dans le territoire et qui veulent améliorer cette qualité de vie. Ça peut être des associations, des acteurs économiques et bien sûr, quand même, des collectivités territoriales. Le programme d'ingénierie, j'en suis à 8 minutes, 10 minutes ? On est bien ? Aucun problème. Je vais vite, pardon. Non. Le programme d'ingénierie, c'est tout simplement 100 chefs de projet que l'ANCT va déployer. Et vous voyez bien qu'on vient compléter le programme d'ingénierie d'Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, Village d'Avenir. On va permettre d'apporter de l'ingénierie. Pas exactement dans le même modèle que Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain, où là, on amenait des chefs de projet dans nos collectivités locales. Là, on a décidé de les mettre en préfecture, rattachés au préfet lui-même de département, tout simplement parce que les maires ruraux nous l'ont demandé, parce que les PETR voulaient qu'on mette ces effectifs chez eux, les départements chez eux, les intercos chez eux. Et les maires nous ont dit, si vous voulez une vraie mutualisation au service de nos villages, il nous faut qu'il soit comme on l'a connu par le passé auprès du préfet de département. Donc si vous avez des bons profils de chefs de projet, c'est quand même 100 très beaux postes que nous allons recruter. Nous voulons des gens issus des territoires, bien sûr, et ils vont être recrutés conjointement entre l'ANCT qui va piloter ce programme comme Action Cœur de Ville, comme Petite Ville de Demain, et bien sûr le préfet sous la responsabilité duquel le poste sera positionné. Donc il y a quelques autres transparents sur le sujet de l'ingénierie pour montrer que c'est simple. L'idée, c'est de faire collectif,
Je vous ai dit que c'était très partenarial. Donc, ces chefs de projet ne vont pas arriver en disant « Ah, moi, je sais ce qu'il vous faut, monsieur le maire ». Rien de tout ça. Ils vont arriver en regardant tout ce qui existe en ingénierie sur le territoire. Des départements sont très bien équipés en ingénierie, d'autres pas du tout. Donc d'abord, un énorme temps consacré au diagnostic ingénierie dans les territoires. Et ensuite, eh bien, grâce à ce chef de projet lui-même ou des budgets que nous avons mis de 20 millions d'euros en ingénierie pour ces territoires ruraux, on va pouvoir aller chercher, en complément de l'ingénierie existante, des contrats que l'on a avec des sociétés comme le CEREMA, par exemple, qui nous fait des packages d'une semaine de 15 jours d'ingénierie culturelle, patrimoniale, aménagement du territoire, ingénierie financière, des sujets qui peuvent tout simplement intéresser nos collectivités locales. Et donc, nous allons accompagner le projet de la collectivité. Là où je dis ensemble, c'est que tout simplement j'ai commencé à travailler avec les commissions aménagement des départements et des régions et intercommunalités de France. L'idée est véritablement qu'à la fin de ce travail d'ingénierie, on parle de village, donc ça ne va pas prendre 3 ans, ça va prendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais au terme il va falloir les accompagner en financement de l'investissement. Et là, ce que l'on souhaite, c'est que les départements et les régions qui l'accepteront, bien sûr, on va pouvoir garantir assez rapidement après le travail d'ingénierie comment on cofinance ensemble l'investissement de ces collectivités issues, avec le même dossier, issues de ces travaux d'ingénierie. Donc le label village d'avenir en ruralité, au terme de cette ingénierie qui sera donnée, garantira 40% d'investissement par l'État, c'est-à-dire 10% en plus de la moyenne que nous donnons en DETR, en DECID, dans ces territoires. On espère que les départements mettront 20, par exemple, les régions 20, par exemple. On est sur de l'investissement de droit commun. Tout le monde s'intéresse à nos villages, régions de tous bords politiques, départements de tous bords politiques. Donc je pense qu'on peut y arriver pour l'instant. En tout cas, les commissions avec lesquelles je travaille sont très ouvertes à faire ensemble à partir du moment où le projet est porté toujours pareil par monsieur le maire de ce village. On a, entre guillemets, offert l'ingénierie, et puis derrière l'investissement, ben c'est bien qu'il puisse savoir très rapidement s'il aura 40, 60, 80% ou 70 ou 65, peu importe, mais en tout cas combien il aura d'investissement. On a donc l'AMRF avec lesquels on a travaillé, comme l'AMF bien sûr, et on est sur l'axe 2 qui est la reconnaissance des aménités rurales. Pour tous ceux qui connaissaient des communes qui sont en parc naturel ou en zone Natura 2000, c'est juste, et pour tous ceux qui avaient participé au PLF l'an dernier, on est passé de 20 millions à 40 millions l'an dernier. Je pense que c'est, on le doit à Joël Giraud, on le doit au sénateur Delcros, ils ont travaillé d'arrache-pied pour faire passer dans le PLF un doublement de la dotation aménités rurales. On a été en relais dans mon portefeuille, parce que je venais d'avoir pris le portefeuille de Caroline Cailleux, et on y est arrivé et on en est très heureux. On a le témoignage de plusieurs maires qui considèrent que c'est extrêmement précieux. Mais notre ambition, c'est tout simplement de passer de ce 40 millions à 100 millions d'euros pour cette dotation biodiversité, sans compter le travail que nous faisons mais qui n'est pas abouti, pour qu'on puisse rémunérer sur la base de fonds, de certificats d'économie d'énergie, des fonds verts qui existent ou des entreprises cotisent et dans lesquelles on pourrait récupérer ces deniers pour nos collectivités en environnement rural. Mais en tout cas, indépendamment de ce travail qui est en train d'être conduit par l'IGEDD, c'est 100 millions d'euros, donc on passerait de 40 millions à 100 millions pour rémunérer nos collectivités rurales en nos collectivités rurales. On arrive à l'axe 3, vous le voyez en haut à gauche, après l'ingénierie, après la rémunération des aménités rurales, à un programme de politique publique. Donc c'est là où on va trouver la lutte contre le logement vacant, la lutte contre des mobilités inexistantes pour le dernier kilomètre pour nos habitants de ruralité. Je commence par la mobilité. Je suis très heureuse d'avoir pu obtenir 3 fois 30 millions, c'est-à-dire 90 millions, 30 millions sur 3 ans, mais qui vont être pour délivrer de la mobilité à nos habitants en ruralité quand il n'y a ni train ni bus. Donc ça peut être au travers d'une association au hasard, famille rurale, qui nous a montré ça dans les Vosges quand on y est allé, et qu'il y a quelques départements où, avec 200 bénévoles, on investit avec ces 30 millions dans des Zoé, dans des véhicules électriques. On travaille sur le déploiement des bornes électriques. Mais en attendant, par exemple, famille rurale, par exemple, un département, la Creuse, qui a fait un travail d'ingénierie remarquable pour compléter la mobilité dans tout son département, au-delà du train et du bus. Mais ça peut être les intercommunalités qui, en complément des régions, se saisissent de la mobilité. Peu importe qui s'en saisit, nous serons à ses côtés pour financer en investissement
Ben, si on est sur des terrains plats et qu'il faut équiper l'intercommunalité de vélos électriques à mettre à disposition parce que c'est plat, parce que ça marche, parce qu'à la maille de l'intercommunalité, on va arriver à se déplacer en vélo, très bien. S'il nous faut de la mobilité solidaire avec des bénévoles qui la conduisent, très bien. S'il y a un service public qui veut se mettre en place à la maille départementale ou intercommunale, on sera aux côtés du département et de l'intercommunalité. Mais on voit bien que les mobilités, c'est quand même, et les mobilités décarbonées, c'est quand même une absolue nécessité quand on n'a plus de trains et de bus. L'attractivité économique, je vous parlais de ces VTA, il faut s'en saisir. L'économie sociale et solidaire. Je suis très contente d'avoir pu obtenir 3 millions d'euros pour tout simplement accompagner des porteurs de projets. Bien sûr, Marlène Schiappa met de l'argent dans beaucoup de têtes de réseau dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Mais moi, j'ai vu à quel point il y a des porteurs de projets qui sont aidés par personne en ruralité. Dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on pourra amorcer, créer des incubateurs ruraux, les accompagner pour incuber des projets qui relèveront de l'économie sociale et solidaire. J'en profite pour vous dire, en citant ma collègue qui est en charge de l'économie sociale et solidaire, que vous l'avez peut-être vu si vous avez imprimé ou pas, regardez à l'écran le dossier de presse qui est quand même assez nourri. Il y a 14 éditos. Quand je vous parle de travail partenarial, il est aussi très interministériel. 14 éditos de ministres avec lesquels nous avons travaillé pour montrer qu'en ruralité, on n'agit pas juste avec mon portefeuille ministériel, mais il y a 14 ministres qui ont travailler sur le sujet. L'attractivité, elle est fondamentale économique. L'habitat et le logement, je vous ai vu vous en saisir. Donc, c'est avant tout de l'ingénierie parce qu'il faut de l'EPF, de l'EPFL, de l'EPF. Il y a des régions où il n'y en a pas. Des outils de portage du foncier pour accompagner les maires. Il faut des SEM d'aménagement. Il faut des bailleurs sociaux. Ils sont démunis. Ils ont 1, 2, 3 maisons. Et s'il n'y a pas d'outils, ils sont démunis pour lutter contre ces logements vacants. Et c'est pour ça qu'on arrive à ces 900 000 logements vacants en ruralité. Alors, il y a plusieurs aides autour du logement. J'en cite qu'une. C'est cette prime de sortie de vacances qui existait, qui n'existait plus, que nous remettons pour inciter tous ceux qui ont des logements vacants en ruralité, soit de les habiter, soit de les louer. Fini. Et on leur propose 5 000 euros pour les accompagner les rénovations, les mises en conformité pour des travaux de réhabilitation à condition qu'ils les habitent ou qu'ils les louent, pour qu'ils ne restent pas des lits froids, qu'ils ne restent pas vides. Je passe vite, sinon je serai trop longue. L'égalité des chances, l'éducation, on propose pas mal de choses. C'est quelque chose, ce sont des politiques publiques que vous connaissez, qui en ruralité sont en difficulté, sur lesquelles on essaye d'accompagner des initiatives associatives, de socio-économiques ou de collectivités locales. Pour finir, la culture n'est pas en reste. Avec ma collègue Rima, on a pu mettre 7 millions d'euros de médiation culturelle, d'ingénierie culturelle. Vous pouvez inciter vos élus locaux ou vos associations à recruter des VTA. On financera jusqu'à hauteur de 7 millions par an, donc sur l'année 2024, mais on peut commencer encourager cette médiation, cette ingénierie culturelle dans des territoires ruraux. Pas être trop longue. Le dernier axe, non, toujours l'axe 3, la santé fondamentale. On lance 100 médicobus. Si ça marche, on en mettra 200. La question n'est pas là. Les gynécobus dans le Var marchent extrêmement bien. On s'est appuyé et on a pu avoir un cofinancement avec l'ARS qui financerait les médecins, qui financerait la moitié des bus. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on voit comment ça fonctionne avec, pour tout ce qui est spécialiste ou même généraliste, mais on passe un jour par mois dans une collectivité. On peut aller dans 20 collectivités avec le bus, un jour par mois de la présence du dermato, du gynéco, du pédiatre, etc. Ça marche très bien dans quelques départements. On a voulu l'étendre, on a eu le financement. Et puis, bien sûr, les maisons de santé, il ne faut pas baisser les bras. Si vous avez des murs dans vos circonscriptions et des élus qui ont des murs, bien, il faut nous le dire pour qu'on travaille en ruralité sur le portage de maisons de santé. On y met des sous en rénovation, mais même en fonctionnement, l'ARS abonde en fonctionnement quand elle est en déficit, la maison de santé. Et souvent, c'est le cas les 2 ou 3 premières années en ruralité. L'axe 4, c'est la refonte des zones de revitalisation rurale. C'est ce qui fait l'attractivité économique de nos petites industries, mais même industries artisans, commerçants, professions libérales,
la vie dans nos ruralités, c'est aussi et avant tout l'économie. Donc on aura de l'ordre de 14 000 communes comme aujourd'hui en ZRR, et donc pour des exonérations de charges sociales et des exonérations de fiscalité, plus d'ingénierie, on aura deux niveaux dans notre projet de loi, un niveau qui ressemble à celui que nous avions avant autour de 14 000 communes, et puis dans ces 14 000 communes, on aura un niveau en ruralité plus profonde de 4 000 communes dans lesquelles eh bien, nous mettrons des exonérations supplémentaires et de l'ingénierie supplémentaire. Les indicateurs, on en a 6 ici. Ils ne sont pas finalisés parce que j'en voudrais peut-être en remplacer deux et peut-être en trouver quelques-uns plus qualitatifs. Ils sont pour moi uniquement quantitatifs, c'est intéressant, mais il nous faut aussi un peu de qualitatif. C'est des indicateurs de mesure que je vous propose. Et voilà, j'ai tenu un quart d'heure, 20 minutes. Merci Madame la Ministre pour cette présentation très clair. Nous en venons aux orateurs des groupes. Et pour le groupe Renaissance, la parole est à Laure Miller. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Tout d'abord, au nom des députés Renaissance, nous souhaitons, Madame la Ministre, vous féliciter pour la qualité et la richesse du plan France Ruralité. La France rurale est une France trop souvent négligée et pourtant si dynamique et innovante. Cet espace rural mérite une véritable ambition. Il est de plus en plus perçu par les Français comme une richesse, comme un facteur d'équilibre social et comme un lieu d'épanouissement. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Jacques Chirac, et elle date de 2002. Cela pour dire que ce sentiment que la politique ne comprend pas la réalité de la ruralité, ce sentiment que les politiques publiques délaissent la ruralité, ce sentiment, il ne date pas d'hier. C'est pourquoi ce plan France Ruralité, qui fait suite à l'agenda rural de 2019, sont clairement bienvenus. Je voudrais souligner deux éléments de méthode qui me semblent fondamentaux et dont on peut se féliciter. Le premier, c'est le travail de concertation réalisé en amont avec des élus nationaux et des élus locaux pour aboutir à ces 181 propositions retenues par le gouvernement et nommées agenda rural. Ce travail avec les élus a permis de vraies mesures utiles au développement de notre ruralité, de nos ruralités. Je pense au programme Petite Ville de Demain, au réseau France Service, à la généralisation de la 4G sur notre territoire, aux maisons de santé ou encore au soutien au commerce du quotidien. Le second élément de méthode que nous souhaitons saluer, c'est votre volonté, Madame la Ministre, d'évaluer ces 181 mesures avec les acteurs de nos territoires. Nous devons généraliser cette culture de l'évaluation des politiques publiques qui nous a longtemps fait défaut. C'est avec cette évaluation que vous avez bâti France Ruralité, que vous venez de nous présenter, et je vous en remercie. Pour ma part, j'ai trois petits points d'interrogation sur ce plan. Le premier, ça concerne les maisons France Service, qui sont évidemment une réussite indéniable de l'agenda rural. Pourtant, de nombreux maires nous font remonter des difficultés de financement liées au coût du personnel. Dans le récent rapport de la députée Marie-Agnès Poussier-Vinsbach et du sénateur Bernard Delcros sur ce sujet, il est souligné qu'il faudrait une augmentation de la contribution socle annuelle. Alors, je voudrais savoir votre positionnement sur ce point. Est-ce qu'il y a un volet prévu à l'intérieur de France Ruralité sur ce sujet? Le second, c'est sur l'articulation du travail entre les chefs de projet de la ANCT, qui seront nommés à travers France Ruralité, et les sous-préfets à la ruralité, afin d'aider au mieux les collectivités dans l'accomplissement de leurs projets. Merci. Et puis, troisième point, Troisième point sur le désir de simplification des élus locaux. Vous en avez un peu parlé, Madame la Ministre, mais savoir si vous aviez eu un œil particulier, un regard particulier sur la simplification attendue par les élus locaux. Merci. Merci. Il va de soi que les autres orateurs de groupe pourront parler 2 minutes 19 s'ils le souhaitent. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Antoine Villedieu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous remercie, Madame la Ministre, pour la présentation de votre plan France Ruralité, qui propose quand même des axes intéressants. Seulement, nous avons l'habitude, vos intentions ne se transforment que très rarement en propositions concrètes. La revitalisation de la ruralité est un tout et devrait faire l'objet d'un projet de loi globale qui inclut transport, développement des axes routiers, aide à la rénovation, attractivité économique, médecins, services publics. Le plan que vous proposez, bien qu'il aille dans le bon sens, semble vide juridiquement. Et l'enveloppe que vous allouez à vos ambitions est bien mince par rapport aux besoins de nos territoires qui ont été délaissés depuis 6 ans par votre politique de métropolisation. Dans votre plan, vous proposez le déploiement de 100 médicobus sur le territoire. Évidemment, nous ne pouvons que soutenir cette mesure, puisqu'elle a été défendue par les candidats du Rassemblement National aux élections départementales de 2021. Vous parlez de planification écologique, mais à aucun moment vous parlez d'intégrer dans les discussions et dans votre projet nos agriculteurs, nos chasseurs, nos pêcheurs, qui sont les premiers défenseurs de la biodiversité et premiers acteurs écologistes de nos territoires.
Vous dites aussi vouloir soutenir un peu plus nos communes qui, regroupées, pourront, devant le préfet, défendre les projets de l'habitat, des transports, du patrimoine ou encore de la santé. Mais comment mener des projets et de restauration du patrimoine quand, dans un département comme le mien, le préfet répète et le dit à plusieurs maires, pas un euro de DETR pour les églises ? Enfin, vous annoncez vouloir pérenniser les zones de revitalisation rurale. C'est une bonne chose, mais nous attendons plus, notamment que vous considériez de la même manière nos territoires et les quartiers de reconquête républicaine. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Catherine Couturier. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, après France Service, France Travail, voici France Ruralité. Sauf que cette nouvelle manière, c'est le mépris. Le nom même de ce plan montre bien votre absence de compréhension de ce fait, les ruralités. Car oui, la ruralité est plurielle. Mon territoire, vous en avez parlé, de la Creuse, n'a pas les mêmes exigences et populations que les territoires désindustrialisés de la Somme ou bien que les plaines céréalières du centre-France. J'en profite. La Creuse, puisque vous avez parlé de la mobilité, dans votre plan, c'est un peu plus de 1 euro par habitant pour la mobilité, et donc 1 euro par habitant pour le département de la Creuse, qui est un véritable souci pour l'emploi, ça serait à peu près 117 000 euros. Ça serait donc un bus d'occasion. Pourtant, pour lutter contre le manque d'ingénierie des communes rurales, vous avez créé le programme unique « Nos villages d'avenir ». Et cela alors que toutes les associations d'élus réclament une aide au cas par cas. Ce programme ne concerne d'ailleurs que 500 communes françaises. Faut-il donc comprendre que seules 500 communes sont concernées par la fermeture chronique de classes, mais a priori c'est plutôt des emplois civiques qui vont remplacer des enseignants, par la disparition des bureaux de poste ou par la désertification des hôpitaux et des médecins. Face aux déserts médicaux, votre solution c'est les médicobus. Peut-être vivez-vous dans le monde des sorciers, mais les magicobus et la distribution de dragibus, ça ne marche pas, il faut arrêter de se faire des films. Encore une fois, votre gouvernement cumule les dispositifs restreints et complexes, les collectivités y sont même mises en concurrence pour bénéficier de quelques miettes d'argent public. Madame la ministre, quand allez-vous réellement vous en prendre à la source des problèmes ? En renforçant les dotations de fonctionnement pour les collectivités territoriales et en finançant les services publics, en rouvrant des guichets physiques pour accueillir nos concitoyens. Et s'il vous plaît, ne me répondez pas, vous allez créer des maisons France Service qui restent en partie une charge financière pour les communes, non compensées, et des personnels pas ou peu formés, voire des emplois civiques. Et vous aurez l'occasion de répondre à cela, chers collègues. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Pierre Vatin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ce nouveau plan pour la ruralité arrive à un moment clé pour nos campagnes, dont le sentiment d'abandon ne se dément pas et va avec les difficultés quotidiennes croissantes, malgré les 181 mesures de l'agenda rural et la brève embellie qui a suivi le Covid. Nous aurions aimé nous réjouir de ce plan, mais celui-ci retombe dans le piège du saupoudrage de mesures qui ne font que corriger les reculs imposés par ailleurs. Votre plan, opportunément dévoilé à 3 mois des sénatoriales, rajoute un peu d'ingénierie avec des techniciens en préfecture qui ne pourront être saisis que par groupe de 2 à 8 communes. L'efficacité de la méthode laisse perplexe. Ainsi, dans l'Oise, il y a 679 communes, dont 670 sont rurales ou très rurales. Viennent ensuite les mesures rurales censées gonfler le montant des dotations en échange d'une contribution des communes à la protection de la nature ou à la production d'énergie renouvelable. Une vision dégradante de la ruralité qui n'est là que pour nourrir et divertir le citadin, mais n'existe pas par elle-même. Le gouvernement qui avait d'abord pensé supprimer les ZRR va finalement les proroger, mais nous manquons de précision sur leurs contours futurs, que ce soit en termes de critères d'éligibilité, de dispositifs ciblés ou de montants alloués. L'IGEDD lui-même, dans un récent rapport, regrette que l'agenda rural ait pu constituer en un catalogue de mesures, même si toutes n'étaient pas inutiles, qu'en une stratégie cohérente pour sortir la ruralité de ses difficultés. Avec France Ruralité, vous retombez dans cet écueil puisque ce plan comporte une quarantaine de mesures et un éparpillement des moyens nuisible à une vraie action efficace de l'État dans notre territoire. 60 millions d'euros de plus pour les commerces ou 90 millions d'euros de plus pour le transport à la demande. Est-ce vraiment cela qui va changer les choses quand ces millions s'éparpillent sur nos 35 000 communes ?
Ces efforts sont en réalité loin de compenser les pertes infligées par la politique du gouvernement. Je pense à l'insuffisance des dotations face à l'explosion des coûts de l'énergie, à la perte d'autonomie financière des collectivités suite à la suppression de la taxe d'habitation, aux ZAN, aux ZFE, à la dégradation progressive de la présence de l'État malgré le déploiement du label France Service, mal financé. Derrière cet agrégat confus de mesures louables prises les unes après les autres se cache en fait une méconnaissance profonde de la ruralité, de la réalité des territoires ruraux que le gouvernement se contente d'opposer à la ville et essaie de remettre à niveau par les moyens financiers insuffisants. Malheureusement, le sentiment Merci. D'abandon demeure. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voulais saluer votre travail et aussi saluer ceux de vos prédécesseurs. Vous l'avez cité tout à l'heure, Jacqueline Gourault, Joël Giraud, avec ce qui avait été fait sur les actions cœur de ville, sur les petites villes de demain, sur l'avenir montagne, sur les maisons France Service, la fabrique du territoire. Moi, sur mon territoire, j'ai quatre communes qui sont actions cœur de ville. Auray, Quiberon, Palais, Plouhinec. J'ai eu les tiers-lieux, on n'en a pas parlé, le coup de main que vous avez filé aux tiers-lieux. J'ai eu beaucoup de tiers-lieux qui ont su profiter un petit peu de ça, pour ne citer qu'eux. Et puis, vous rappelez dans ce plan de ne pas oublier les petites îles non reliées au continent que nous avions, dans lesquelles nous avions travaillé sur la loi 3DS. Et puis le plan France Ruralité que vous nous présentez aujourd'hui prolonge et intensifie ses travaux. Je retiens notamment l'enveloppe de 100 millions d'euros pour soutenir les communes qui préservent la nature, mais aussi les actions en faveur de la mobilité du quotidien. Mais parfois on en fait presque trop, Madame la Ministre. Je pense un peu à la protection du littoral avec nos fameuses SPPL, nos servitudes de protection des passages piétons, je crois, qui deviennent parfois des vraies autoroutes piétonnes. Et ça me fiche parfois un petit peu la trouille pour ce qui est du respect de la biodiversité et puis du recul du trait de côte, parce que 10 ans après, il faudra les refaire. Donc il faut arriver à trouver un bon équilibre entre ce qu'est un vrai sentier et puis peut-être aussi remettre un petit peu d'argent, Madame la Ministre, je sais que ce n'est pas tout à fait votre domaine, mais pour l'excès PER, les contrats de plan État-Région. La Bretagne en est contente, mais on ne voudrait pas oublier des petites lignes de demain. Vous avez failli prendre le tire-bouchon il y a 15 jours pour venir naviguer dans la baie de Quiberon. Ben, je voudrais que la prochaine fois que vous y veniez, vous puissiez le prendre. Merci, Madame la Ministre. Merci, chers collègues, pour le groupe socialiste et apparenté. La parole est à Stéphane Delautrette. Merci Président. Madame la Ministre, tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter votre plan et de manière très concise et très précise. Ce plan, Madame la Ministre, était très attendu par nos élus locaux, tant les besoins sont criants dans nos territoires. Mais concrètement, va-t-il permettre à la ruralité d'aller mieux demain, de retrouver des commerces et des services publics de proximité, de lever les contraintes de mobilité, de stopper la fermeture de classes et enfin de permettre un accès aux soins pour tous, autant de problématiques qui affectent nos concitoyens qui se sentent abandonnés et rendent impuissants de nombreux élus de nos territoires ruraux. Si les financements et solutions annoncées nous paraissent bien maigres, nous saluons malgré tout le lancement de ce plan qui marque une évolution dans la reconnaissance des ruralités. Certaines mesures vont en effet dans la bonne direction. Je pense au programme Village d'avenir qui répond à un véritable besoin d'ingénierie des plus petites communes. De même, la mise en place d'un référent ruralité marque la volonté d'un retour de la présence de l'État aux côtés des élus locaux après des années de retrait des services de l'État dans nos territoires. Néanmoins, je le redis, le compte n'y est pas. Alors qu'un habitant rural sur 3 a comme première préoccupation l'accès aux soins, la mise en place de 100 médicobus n'est pas une réponse à la hauteur des enjeux. Un groupe de travail transpartisan piloté par mon collègue Guillaume Garot avait pourtant proposé des mesures concrètes pour mettre fin à cette désertification médicale, mais elles ont pour beaucoup été rejetées à l'occasion de l'examen de la loi Valletoux. Une autre déception concerne la question du logement. La prime de 5 000 euros pour les propriétaires de logements vacants qu'ils remettent sur le marché après rénovation n'est pas suffisante. Des leviers fiscaux doivent être explorés et une enrue rurale de la rénovation des centres-bourgs doit être mise en place afin de répondre au double défi de la rénovation énergétique des bâtiments et de la préservation du foncier agricole. Enfin, je terminerai mon propos en relayant les interrogations de nombreux maires ruraux qui s'interroge sur l'élargissement de la dotation biodiversité à un plus grand nombre de communes, à qui profitera-t-elle et quelles actions seront subventionnées.
Malgré l'annonce de l'augmentation de l'enveloppe portée à 100 millions d'euros, ces sommes paraissent dérisoires au regard des 6 milliards supplémentaires nécessaires chaque année pour atteindre nos objectifs de transition écologique. Merci, chers collègues, en vous rappelant que les orateurs de groupe ont 2 minutes, chers collègues, pour s'exprimer, mais bon, on laisse un peu de souplesse. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Vincent Thibault. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour votre présentation et sur ce plan ambitieux, malgré tout les caricatures qui puissent être faites. Les territoires ruraux, j'en suis convaincu, sont l'avenir de la France. C'est là où va se jouer les enjeux, la transition énergétique, la transition écologique. Rien ne pourra se faire sans nos territoires et plus particulièrement les ruralités, comme cela a été dit. Aujourd'hui, les territoires ruraux représentent 88% de nos communes françaises, c'est un tiers de la population française qui y habite, 80% d'entre eux sont en croissance démographique. Et plus que jamais, il faut que nous les valorisons. Toutefois, cela a été dit, souvent ces sentiments d'abandon, de double peine, notamment face aux crises énergétiques, parce que c'est là où on chauffe au fioul, c'est là où nous avons besoin de se déplacer, c'est là aussi... où on voit aussi, on constate l'éloignement des services de public proximité malgré la mise en œuvre ambitieuse des maisons France Services. Les territoires au cœur de nos enjeux depuis 2017. On avait les programmes Action Cœur de Ville, Agenda Rural, Petite Ville de Demain. Je rappelle que rien qu'Action Cœur de Ville, c'est plus de 10 milliards d'euros qui sont mobilisés jusqu'en 2026. L'ensemble de ces programmes ont produit des résultats concrets. Toutefois, nous sommes très soucieux effectivement sur l'accompagnement des territoires, aussi bien dans la ruralité, sur des logiques de bassin de mobilité, bassin d'emploi, bassin de consommation. Il nous faut accompagner les territoires qui bien souvent s'ignorent. Malheureusement, dans les appels à projets, bien souvent, ce sont les meilleurs élèves qui sont les mieux lotis, et tout simplement parce que les territoires ne sont pas accompagnés par l'ingénierie nécessaire pour pouvoir monter les dossiers. Alors on se félicite effectivement de l'ingénierie locale qui est proposée à travers ce plan avec 100 chefs de projet. Toutefois, nous sommes convaincus qu'il nous faut mobiliser beaucoup plus, que ce soit les régions, notamment à travers les CPER, que ce soit aussi les partenaires comme l'Association nationale des pays, des PETR, mais aussi tous les partenaires effectivement qu'on peut avoir notamment les représentants de la MRF. Donc, Madame la Ministre, comment souhaitez-vous mobiliser l'ensemble de ces partenaires pour que le plan France Ruralité soit concrètement une réussite? Nous sommes convaincus, en tout cas ensemble, d'horizon, en tout cas que tout passera par l'accompagnement d'ingénierie de nos communes. Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Marie Pochon. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Que pouvez-vous bien trouver à faire à la campagne? Tout, excepté le temps de le faire, disait Kipling. Le temps, dans nos petits villages, il n'est pas aussi court qu'ailleurs. Des kilomètres de routes sinueuses qu'il nous faut emprunter pour avoir accès à l'école de nos gosses quand la classe n'a pas fermé, au bureau de poste ou au commerce le plus proche. Le temps d'avoir, enfin, un rendez-vous médical. Le temps qu'il faut quand on est maire rural pour intervenir à chaque urgence, parce qu'ici, il n'y a bien qu'eux qui peuvent le faire. Le temps qu'un animateur de la maison France Service à 30 bornes de là puisse nous dépêtrer de notre dossier d'aide. Le temps de la connexion Internet, du réseau téléphonique. Le seul temps qui est finalement bien raccourci dans nos campagnes, c'est aussi le plus cruel. Le temps de la vie. L'espérance de vie y est de 2 ans moindre qu'en ville. On n'a pas le droit aujourd'hui de ne pas être radicalement ambitieux pour nos campagnes. On n'a pas le droit d'y lâcher quelques millions, 100 chefs de projet de France Ruralité dans quelques-unes des sous-préfectures, quelques médicobus et une aide pour entretenir les monuments aux morts et se dire que le travail est fait. Si je vous dis cela, Madame la Ministre, c'est parce que je sais que ce sujet vous tient à cœur et que j'aimerais tant, quand je rentre dans ma circonscription, entre Luz-la-Croix-Haute, Mirabel ou Baronnie et Grignan, pouvoir dire à toutes celles et ceux qui y vivent que nous comptons autant que ceux qui habitent les villes, au cœur de la République. Nous ne demandons pas l'aumône. Pourtant, on a l'impression d'une France à 2 vitesses. Sur les mobilités, tandis que dans les métropoles, nos concitoyens ont le choix du vélo, de la marche, des transports en commun, tandis que 35 milliards d'euros seront investis dans le Grand Paris Express, vous consacrez seulement 30 millions, un peu plus d'un euro par habitant, à la mobilité dans les campagnes, laissant la gestion d'un service public absolument essentiel à des associations de bénévoles. Il faut encore 2 jours, en comptant les correspondances, pour faire les 88 km qui séparent Cré de Nyons en transport en commun. Sur le logement, les ORT sont une première étape bienvenue, mais la Airbnbisation rampe, les terrains s'achètent à prix d'or et les enfants du pays ne peuvent plus se loger dignement. Rien ou si peu sur l'énergie, la fracture numérique, l'aide à l'installation paysanne, le tourisme durable. Je crois sincèrement pourtant que dans ces 88% de France, l'avenir de notre pays se joue. Nous en avons marre de vivre sous cloche ou d'être misérabilisés.
Nous voulons des politiques climatiques et écologiques ambitieuses pour les ruralités, tout aussi ambitieuses que pour les villes, pour qu'enfin, à la campagne, on ait aussi le temps de changer le monde. Je vous remercie. Merci, merci, chers collègues. Pour le groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, la parole est à David Topiak. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Il y a 4 ans, Édouard Philippe, alors Premier ministre, annonçait l'agenda rural. Celui-ci avait vocation à répondre aux préoccupations des habitants de nos territoires. Mais avec quel bilan ? L'accès aux soins et aux services publics reste compromis. Les commerces souvent éloignés continuent de fermer. La dépendance à la voiture est de plus en plus problématique, alors que le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. Le plan France Ruralité, qui nous a été présenté en juin dernier, fera-t-il mieux que son prédécesseur ? À première vue, nous avons des doutes, puisque les moyens financiers semblent en deçà de l'ambition. On ne lutte pas contre le sentiment d'abandon des territoires avec des seules promesses. Sur un certain nombre d'autres points, nous reconnaissons néanmoins des avancées. Le programme Village d'avenir, par exemple, va dans le bon sens. Il permettra d'aider les élus à concevoir et porter leurs projets grâce à l'appui de 100 chefs de projet. Reste à déterminer combien de communes pourront être effectivement accompagnées. Le chiffre de 500 communes a été mentionné, le confirmez-vous ? Autre sujet d'importance, la valorisation des aménités via la dotation biodiversité et aménités rurales, qui sera portée à 5 millions d'euros. Pour l'instant, elle est réservée aux communes situées dans un parc national, un parc naturel régional ou dans les zones Natura 2000. D'autres pourront-elles désormais prétendre à cette dotation ? Et surtout, qu'est-ce qui sera qualifié d'aménité rurale ? Quant au dispositif zone de revitalisation rurale, il sera prolongé. Avec quel zonage ? J'attire votre attention sur les difficultés et les disparités au sein d'un même territoire, communauté de communes qui risque d'être le périmètre choisi, avec des territoires périurbains avec des revenus médias élevés et des territoires hyper ruraux au sein de la même communauté, beaucoup plus en difficulté. Dernière question concernant le projet de loi France Ruralité, destiné à bâtir de nouveaux progrès et à restructurer les services publics en milieu rural. Quel sera son calendrier et ses ambitions principales ? Merci, chers collègues. Tous les orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Madame la ministre, je vous laisse le soin de répondre en sachant que nous avons d'ores et déjà 14 questions. Mais ce qui montre... Complémentaires. Ce qui montre l'intérêt, Madame la ministre. Ce qui montre l'intérêt, Madame la ministre, des collègues pour vos sujets. N'est-ce pas ? Je vous en prie. Tous nos ruralités. Et c'est chouette. Quelques éléments généraux sur lesquels je ne reviendrai pas parce que chacun de vous y a des marqueurs quand même, même si tout le monde n'a pas signalé qu'il y avait des avancées. Je pense qu'une grande partie d'entre vous, quels que soient vos bords politiques, avaient reconnu qu'il y avait des avancées. Et donc je vous en remercie parce que évidemment on y a mis toute notre énergie depuis un an. Donc on est content qu'au-delà des bords politiques des uns et des autres, vous considérez qu'il y a des avancées. C'est sûr qu'il y a des avancées. Pour autant, Madame la députée Pochon, vous dites est-ce que ça va être suffisant ? Mais il n'y a pas que vous, mais vous le dites et j'aime bien. Est-ce que pour autant, on va changer le monde en ruralité avec le plan France Ruralité ? Et vous avez raison de le poser en ces termes. Mais moi, je pense qu'il faut que vous ayez l'intime conviction que ce plan France Ruralité, c'est celui que je vous présente aujourd'hui et que par les indicateurs que nous avons mis en son sein, on va pouvoir, tous les 6 mois, pas tous les ans, à la fin de l'année, on va avoir lancé une petite dizaine de territoires d'expérimentation, alors on va pouvoir évaluer, se dire, mais là, on a mis de l'argent, mais ce n'est pas très utile, personne ne s'en saisit. Là, on voit émerger un certain nombre de besoins et on n'y a pas répondu. Donc, considérez que France Ruralité, ça vous paraît peut-être surprenant, mais on l'a conçu comme évolutif, adaptable, sur la base des indicateurs de mesure. Donc, si vous avez un certain nombre de propositions concrètes basées sur du fonctionnement aujourd'hui que l'on va mettre en œuvre dans les 6 mois qui viennent et des témoignages, ne vous privez pas de nous les faire remonter. L'idée, c'est que ce France Ruralité, il soit utile à nos citoyens, vous l'avez vu. On l'a bâti avec nos convictions, avec le travail, avec les rapports, avec les concertations. Par contre, toujours beaucoup d'humilité dans ce que nous faisons, et donc la capacité à l'adapter si vous pensez qu'il faudrait faire d'autres choses qui ne sont pas dedans. Troisième élément
Vous dites que ce n'est pas assez. Vous êtes très nombreux à dire 30, 100, 30 pour la mobilité, 100 pour les médicobus, 100 millions pour la dotation biodiversité. C'est bien, mais ce n'est pas assez. J'ai envie de vous dire, utilisons-les déjà. Soyez nos porte-parole dans les territoires, non pas pour dire ce qui est dans l'opposition que ce que fait le gouvernement est génial, vous ne le direz jamais, mais au moins que tous ceux qui aimaient la ruralité, et évidemment je sais que notre majorité le fait d'ores et déjà, mais que vous puissiez inviter les communes à se saisir de ces dispositifs et que l'on puisse mesurer s'ils s'en saisissent parce qu'ils l'apprécient ou s'ils ne s'en saisissent pas parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc si à la fin les 100 médicobus est insuffisant, il faut en mettre 200, on trouvera les sous pour en mettre 200. Si les 30 millions, moi je doute qu'on utilise les 30 millions d'euros, je doute qu'on utilise les 30 millions d'euros par an en 2024 pour de la mobilité du dernier kilomètre. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il en faudra 40, 50. Portons des projets d'ingénierie en matière de mobilité et visons à me faire remonter s'il y a des manques. Mais aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas assez, ce n'est pas une raison pour ne pas faire. Nos ruralités sont en demande. Il nous faut agir collectivement, ensemble, quels que soient nos bords politiques. Alors, Laure, vous me dites 3 points. Miller. Oui, je sais. Oui. Pourquoi ? Donc, 3 points. Les maires demandent plus d'accompagnement financier sur les maisons France Service, je le sais, et vous avez raison. Certains maires sont en difficulté, on les accompagne avec des outils que l'on a avec la DGCL entre les mains, mais sur l'accompagnement des maisons France Service, on a remis de l'argent, on a prolongé les conseillers numériques avec Stanislas Guérini, avec qui je travaille, mais vraiment de façon très partenariale sur ce sujet. On est conscient que beaucoup de maires nous demandent de faire plus, mais aujourd'hui, un, on a stabilisé, pérennisé le dispositif, deux, on l'a augmenté, mais j'entends, et on n'est pas sourd, donc on va voir ce qu'on peut faire. Ensuite, les chefs de projet, ben, je n'ai pas compris la demande, chef de projet en ingénierie dans les territoires auprès du préfet, vous dites c'est... Comment ils vont s'organiser ? Donc ils vont tout simplement faire ce diagnostic dont je vous parlais. Ils vont, une fois qu'ils ont fait le diagnostic, convoquer tous les acteurs de l'ingénierie et faire venir tous les maires qui le souhaitent en 2-3 séances par circonscription pour pouvoir avoir vu à la fin du mois d'octobre l'entièreté des maires ruraux sur la base de ce PowerPoint et que chaque maire sache quelle est la personnalité qui a rejoint le préfet. Si au mois d'octobre, évidemment, on est dans un département dans lequel on a recruté le chef de projet. Donc il va, un, faire un état des lieux de l'ingénierie. Deux, il va réunir tous les acteurs de l'ingénierie. Trois, et il va rencontrer tous les maires pour expliquer comment il va agir. Et là, les maires vont lever le doigt et les projets vont émaner des territoires. Et il va se donner 2 mois pour avoir fait le tour de ses premiers projets et pour pouvoir leur donner soit de l'ingénierie existante déjà, soit de l'ingénierie lui-même, soit acheter de l'ingénierie pour accompagner le projet porté par l'élu local. Et le désir de simplification, on est vraiment sur la bonne voie avec ce document unique qui sortirait de l'ingénierie et qui pourrait donner lieu à financement des départements et des régions. Mais là, il faut que vous me laissiez du temps parce que je n'ai pas convaincu encore tout le monde. Il faut que j'écrive à tous les départements, à toutes les régions. Je vais m'appuyer sur, évidemment, les associations d'élus, région de France et département de France. Mais oui, cette simplification que tous les maires appellent de leur vœu, on devrait y arriver si... évidemment, les départements dans lesquels vous êtes jouent le jeu. Merci pour vos 3 petits points qui sont des vrais points sur lesquels on va travailler ensemble. Et je ne vous ai pas dit sur l'évaluation que l'on a mis en place ce qu'on appelle un GIEC de la ruralité. Et en fait, c'est tout simplement des scientifiques qui ont l'habitude de travailler avec une entité qui s'appelle POPSU. Et on a la chance d'avoir environ 200 scientifiques en France qui sont pilotés par POPSU. Moi, je les ai rencontrés grâce à notre collègue Sandra Marceau, qui les connaît bien. Et je les connaissais sous l'angle POPSU Métropole. Et là, je les ai découverts depuis un an sous l'angle POPSU Territoire. Et ils vont nous trouver, ils nous ont trouvés
une vingtaine de scientifiques qui vont nous aider à évaluer l'efficacité de ces politiques publiques en matière de prise en compte de la biodiversité et de l'environnement, et qui vont nous permettre d'évaluer aussi l'efficacité de nos politiques publiques au fil de l'eau. Donc c'est une sorte de GIEC de France Ruralité que l'on a conçu grâce à Popsu. Antoine Villedieu, vous nous dites c'est vide juridiquement, il aurait fallu. Moi, je ne peux pas vous dire non. Hein. Peut-être que vous seriez en situation de gouvernance, vous l'auriez proposé. Ça, voilà. Mais aujourd'hui, on ne pense pas que la loi va tout nous régler. Aujourd'hui, on pense que ce qui a besoin de loi, c'est deux choses. C'est un, la définition et les critères de nos zones de revitalisation rurale. Et on a deux PPL au Sénat aujourd'hui et on a un PJL que l'on porte. Et on est en train de travailler sur l'entrée communale ou l'entrée intercommunale, comme monsieur, vous venez de l'indiquer, monsieur Topiac. L'excellent monsieur Topiac, me dit-on. Je ne vous connais pas suffisamment. Mais en même temps, le deuxième axe qu'il faut mettre dans la loi, c'est les critères qui visent à définir quelles collectivités vont pouvoir bénéficier de la dotation biodiversité. Et là, on y travaille aussi. C'est un inspecteur de l'IGEDD qui travaille sur ces critères. Et notre projet de loi a en son sein, un, la reconnaissance des ruralités dans la loi, parce que ça n'y est pas aujourd'hui. Deux, les critères de définition des ZRR. Trois, les définitions des critères qui permettront aux collectivités de bénéficier de cette dotation biodiversité. Donc, tout mettre dans la loi, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Pourquoi le mot chasseur-pêcheur n'est pas dans le projet ? Ils auraient pu y être. On aime les chasseurs et les pêcheurs, pas de dogmatisme, ils ont leur rôle à jouer. Il ne faut pas y voir quelconque volonté d'être dans un camp ou dans un autre. Dans la ruralité, on aime les chasseurs, on aime les pêcheurs, on aime la biodiversité, on aime l'environnement, on aime l'écologie, on aime tout cela. Et je pense qu'ensemble, on peut arriver à concilier tout cela. Et puis, voilà, vous dites quartier de poids de mesure, quartier de politique de la ville et ruralité. Ben, tout mon objectif et notre objectif a été véritablement de plus d'équité territoriale et d'aller chercher de l'argent sur des sujets qui nous semblaient pertinents. S'il n'y en a pas suffisamment, on saura en trouver. Vous aurez en moi une ambassadrice pour dire ça marche, il nous faut plus d'argent. Mais en attendant, commençons par nous saisir de ce qui est déjà proposé. Et avant de dire c'est pas assez, si vous le voulez bien. Catherine Couturier. C'est bon ? Vous ne m'avez pas laissé sans voix du tout, mais simplement vous m'avez tout simplement mélangé un certain nombre de sujets, dit un certain nombre de choses. D'où sort ce chiffre de 500 communes françaises accompagnées voilà, s'il y en a 800, on sera très content. S'il y en a que 200, on sera très content aussi. Puisque je vous ai dit qu'on allait répondre aux maires qui allaient lever le doigt sur un certain nombre de sujets. Donc, il y en aura-t-il peut-être 1000. Tout dépend sur quel sujet ils vont se positionner. Mais en tout cas, Village d'avenir en ingénierie vise à accompagner les communes qui lèvent le doigt pour être accompagnées sur des politiques, qu'elles soient culturelles, vision prospective en matière d'aménagement du territoire, besoin d'ingénierie financière. Tout cela, il n'y a pas de nombre de communes, même si peut-être vous avez entendu quelque part 500 communes, pourquoi pas, ça nous irait très bien aussi, mais je n'ai pas compris pourquoi mentionner ce chiffre comme si c'était un objectif ou une fin en soi. L'idée, c'est d'accompagner nos ruralités. Plus ils viendront nous saisir en accompagnement pour porter leur projet, et plus on sera heureux. Ensuite, vous citez les fermetures de classes. Oui, des classes se ferment, mais on n'est pas évidemment là pour en parler. Les médibus, vous dites que c'est un monde de sorcières, de magibus. Moi, je ne peux que vous dire que je ne comprends pas très bien pourquoi vous critiquez avec autant de moquerie, me semble-t-il, des choses que nous proposons qui visent à tout simplement améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, quand j'ai l'humilité de vous dire que si finalement ça s'avérait que personne ne se saisisse de ces médibus, à ce moment-là, on pourrait tout à fait évoluer et faire autre chose que vous seriez à même de concret de nous proposer, par exemple. Pierre Vatin, vous nous dites que globalement ça avance dans le bon sens. Il est où, Pierre ? Ça avance dans le bon sens, mais saupoudrage de mesures. Bon, moi, je trouve qu'il y a un certain nombre de critiques que j'accepte. Alors, si vous avez
un peu travaillé avec moi, la critique, elle est force de progrès. Voilà. Donc moi, la critique, je la prends, mais on me dit qu'on saupoudre. Oui, mais si on s'occupe du logement et pas de la mobilité, on va nous dire, vous n'avez pas compris ce que c'est que les ruralités. Et donc, on peut toujours, quand on propose quelque chose, être sujet à des critiques. Donc moi, j'accepte qu'il y en ait trop. Mais j'ai essayé de couvrir avec l'équipe, avec toutes les consultations que l'on a faites, ce que j'ai cru fondamental en écoutant les maires de nos villages, les associations, les habitants, parce que j'ai beaucoup rencontré les habitants. Donc, moi, je ne le prends pas comme une insulte, mais presque. Vous dites que j'ai une vision dégradante de la ruralité. C'est votre point de vue, je vous assure que je le respecte. Mais j'ai le droit de vous dire que je trouve que ce que l'on propose ne donne pas une vision dégradante de la ruralité, mais bien une vision au contraire, une ruralité que l'on veut encore plus heureuse, où on rémunère ce qu'il possède, c'est-à-dire des richesses en matière d'aménité rurale, et où on essaye d'apporter du service en lutte contre les logements vacants, en accompagnement de projets de mobilité. Et donc, oui, bien sûr, vous dites que aussi, mais ça j'ai un peu répondu, quoi, que c'est peut-être pas suffisant, on verra bien. En tout cas, parlons-nous, échangeons, soyons constructifs, aimons la ruralité, portons ce qui est déjà proposé et voyons ce qui marche et ce qui marche moins bien. Le président a annoncé la pérennisation du dispositif dès novembre 2022. Les contenus, je te lis pas Pierre, du tout. Oui, seront présentés, mais ça, je vous l'ai dit, à l'automne prochain, sur les ZRR. Pourquoi on est en train de travailler ? Ben, tout simplement parce que c'est pas le PR, c'est la PM qui avait annoncé le prolongement des ZRR. Ben, tout simplement parce que vous avez compris que définir des critères pour rémunérer des aménités rurales, peut-être que si vous étiez en situation de gouvernance, vous aussi, vous auriez déjà trouvé. Nous, on y travaille depuis un an. On a fini par mandater un inspecteur de l'IGEDD pour définir des critères. On consulte et on essaye de trouver des critères pertinents pour élargir ces zones naturelles, ces zones Natura 2000. Et ce n'est pas facile. Et je suis sûre que ça sera sujet à critique. Mais en tout cas, on essaye de travailler sur cette loi. Et on a aussi deux PPL qui ne sont pas aujourd'hui convergentes, mais je suis très confiante sur le fait qu'au mois d'octobre, on saura porter un texte entre l'Assemblée, votre commission, le Sénat et le gouvernement au service de nos ZRR. Puis vous avez dit pas assez, peut-être que c'est pas assez, on verra. Ensuite, Jimmy Pain, vous dites que tiers-lieu, je ne l'ai pas cité, je vous demande de m'en excuser, c'est au cœur de France Ruralité aussi. On a même des tiers-lieux qui relèvent de l'économie sociale et solidaire parce que ça plaît beaucoup. Mais en tout cas, ce n'est pas moins de 12 millions d'euros, tiers-lieu, que l'on a dans France Ruralité, mais je n'ai pas pu tout vous citer. Donc, porter des projets de tiers-lieu, quand on n'aura plus d'argent pour les financer, encore une fois, on ira en chercher d'autres. Aujourd'hui, c'est énorme, 12 millions d'euros sur des tiers-lieux, quand je regarde ce qu'on a déjà dépensé en ruralité. Donc, il faut les sensibiliser, nos collectivités, il faut leur parler de fabrique de territoire, il faut leur donner envie, et on sera au chevet de ces projets qui, souvent, siègent dans des centres-bourgs pour pouvoir fédérer les porteurs de projets. Les CPER. Les CPER, je voulais simplement vous dire que tout ce que je vous présente comme mesures, mais je vous invite évidemment à les regarder toutes plus en détail, elles viennent en complément des CPER et elles viennent en complément du fonds vert, de la DETR, de la DECIL. Tout ça, c'est des mesures... quand on vous parle du financement des médicobus, c'est tout simplement de l'argent que l'on a trouvé en partenariat avec le ministère de la Santé. Donc, c'est de l'argent en plus. Donc, le CPER sur tout ce qui est transport collectif qui vient de sortir là en partenariat avec les régions. Certaines régions sont très contentes, d'autres moins. Mais quel travail là avec mon collègue Clément Bonne sur toutes les mobilités à l'échelle régionale. Et nous, avec France Ruralité, on va s'inscrire en terminaison de ces gares et de ces arrêts de bus. Stéphane de Lautrette. Je me suis trompé. Non, c'est ça. C'était très bien. Monsieur le député. On aurait pu dire aussi l'excellent Stéphane de Lautrette. Et donc, vous dites qu'il y a des besoins criants. Je ne l'ai pas dit parce que je n'avais pas de temps, mais je partage totalement. Est-ce que ça va permettre d'aller mieux demain ? Je pense que je vous ai répondu. Moi, j'ai bossé beaucoup avec beaucoup d'entre vous, avec beaucoup d'élus locaux. Est-ce que ça va aller mieux demain ? C'est vous qui nous le direz, en QAG. Vous saurez me dire, vous m'aviez dit que, regardez ce qui se passe, c'est pas bon, c'est pas exactement ce qu'on avait pensé. On saura ajuster si nécessaire.
En tout cas, le fait que déjà on rentre dans ce programme avec la Première Ministre et avec tous les 14 collègues qui ont contribué, avec de l'humilité, avec une volonté d'ajuster, au service des habitants de la ruralité, je pense que c'est déjà un facteur clé d'avoir cette capacité d'ajuster de succès. Vous dites 5 000 euros, ça ne sera pas suffisant. Je pense que vous avez raison. Est-ce que ces 5 000 euros, bon, ça va être 10 000 logements, 5 000 logements, 3 000, 2 000 en ruralité en France. On va le voir. Est-ce que cette prime, elle est suffisante? Moi, je me suis bagarrée. Nous sommes bagarrés pour avoir plus. On a 5 000 euros, c'était la prime d'avant qui avait été arrêtée. On arrive à la remettre. Réjouissons-nous de 5 000 euros. Voyons combien de propriétaires s'en saisissent pour louer ces 5 000 euros et voyons si c'est suffisant. Mais est-ce que, effectivement, tout dépend de la taille du logement, mais si c'est nos logements dans nos maisons, mettre un chauffage un peu plus moderne, bon, on peut arriver à 50% du financement avec 10 000 euros. Vous commencez à ne pas changer toutes les huisseries d'une grande maison, je suis d'accord. Mais vous commencez à faire des choses dans la rénovation. Voilà. Et la dotation qui n'est pas assez, beaucoup d'entre vous l'avaient dit. Commençons déjà avec ces 100 millions. C'est bon. Vincent Thébault, Maison France Service, c'est bien. Et vous me dites... Il est parti. Bon, très bien. Tant pis, je lui donnerai la réponse en tête à tête. Marie Pochon, je vous ai... Ah, elle est là. Marie Pochon est là. Non, c'est pas à vous que je donnerai la réponse, c'est au député qui est parti. En tête à tête. En tête à tête, oui. Marie Pochon, voilà, vous nous avez fait une jolie prise de parole. Simplement, vous dites le temps. Vous avez raison, mais si vous voulez, moi je suis dans l'action et je ne peux pas vous dire que vous avez tort en parlant du temps pour se connecter à Internet en ruralité qui est plus long qu'en ville. C'est bien le diagnostic que l'on a posé et vous avez raison de dire que l'espérance de vie aujourd'hui elle est plus courte en ruralité. Et ce diagnostic que vous posez, je le partage. J'espère que France Ruralité, non pas va sauver la ruralité, mais va un peu améliorer les choses. Et en tout cas, vous avez mon complet soutien pour amender, compléter si besoin. Lyotte, David Topiac, vous dites que l'essence est chère en ruralité. Vous avez raison. Non, mais c'est vrai. Il nous faut... Il nous faut lutter contre la vie chère. En réalité, elle est beaucoup plus chère. Et c'est pour ça que je me mobilise sur des mobilités qui peuvent être solidaires, mais qui peuvent ne pas être solidaires si on arrive à délivrer un service public, accompagner un vrai service public de mobilité à la maille intercommunale. Ils veulent être les interco-autorités d'organisation du logement. Ils veulent être, en complément des régions, autorités d'organisation de la mobilité. Qu'ils s'en saisissent, on a des sous pour les accompagner, pour faire en sorte que nos habitants des ruralités puissent vivre. Voilà. C'est tout. Merci. Merci. 14 questions, je vous écoute. Merci, Madame la Ministre. Nous en venons donc... Mais ne vous inquiétez pas, Madame Couturier, vous êtes bien inscrite dans les questions. Aucun problème. À pouvoir clarifier. Nous en venons donc aux questions. Question de minute. David Valence, je vous en prie. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Président. Une première question sur deux programmes qui ont très bien fonctionné. Action Cœur de Ville, lancée à Saint-Dié-des-Vosges le 18 avril 2018 par le Président de la République sur une idée originale de Jacques Mézard, et Petite Ville de Demain, lancée en 2020 sous l'égide de Jacqueline Gourault. Aujourd'hui, et je pose cette question en écho et en complicité avec Laurence Maillard-Meignery, aujourd'hui, il y a besoin d'un pilotage national fort et robuste sur ces programmes, et parfois, certains des maires engagés ont le sentiment qu'il y a un peu moins de volonté du côté du pilotage. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Est-ce que vous pouvez tirer un premier bilan de ces deux programmes de revitalisation? Et puis deuxième question sur la dotation aménité rurale, qui est donc le nouveau nom de la dotation biodiversité. Quel sera le seuil pour les communes qui seront éligibles? Est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui? Ou est-ce que vous comptez le réserver uniquement aux communes rurales? Car certaines communes, villes moyennes, possèdent parfois des centaines et des milliers d'hectares de forêt. Je vous remercie. Merci. La parole est à Yannick Horry. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la ressource en eau se raréfie et il est de notre devoir de la protéger et de bien la gérer afin de garantir à nos concitoyens une eau de qualité dans la durée. Comment entendez-vous venir en soutien des petites communes pour la gestion de l'eau et de l'assainissement, notamment en ce qui concerne l'ingénierie territoriale, l'entretien et le renouvellement des réseaux?
La parole est à Laurence Edelgrière. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous parlons de France Ruralité. Vous avez soulevé de nombreux espoirs, notamment pour les élus locaux dont je fais partie. Et je souhaite vous interroger par rapport aux spécificités des territoires qui cumulent, on va dire, plusieurs complications, notamment le cas en Ardèche, avec par exemple encore et toujours des problématiques de zones blanches téléphoniques et numériques, le besoin de soignants, la mobilité contrainte avec la voiture comme seul mode de déplacement, le besoin de logement, la question de l'eau que vient d'évoquer mon collègue. Aussi, pour vous, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments sur la façon dont les élus locaux vont pouvoir se saisir de ce plan pour pouvoir avancer sur ces projets et la façon dont l'accompagnement pourra être mis en œuvre? Parce que c'est vraiment une question de multiplicité de contraintes. Comment on va faire concrètement? Merci. Merci. La parole est à Sophie Panonacle. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous avons travaillé ensemble, députés, sénateurs et gouvernement, sur la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Les obligations légales de débroussaillement étaient au cœur de ce texte et nous avons dressé le constat de la difficulté pour les communes rurales forestières de pouvoir contrôler et le cas échéant sanctionner les propriétaires qui n'effectuent pas leurs obligations légales. Aussi, dans le cadre du plan France Ruralité, le recrutement du garde champêtre est une réponse adaptée à la prévention des risques incendies de nos forêts et plus généralement aux enjeux environnementaux liés au dérèglement climatique. Nous avons conscience que la valorisation du métier de garde champêtre passe par une revalorisation indemnitaire. Madame la Ministre, vous souhaitez mettre en application cette disposition au 1er septembre. Pouvez-vous nous confirmer l'avis favorable du Conseil d'État et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale? Merci. Merci. La parole est à Stéphane Buchou. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne vous apprends rien en vous disant que l'accès aux soins est évidemment difficile dans les territoires ruraux, pas que dans les territoires ruraux, mais ils y sont bien évidemment, c'est très difficile dans ces territoires. Des centres de soins non programmés et des maisons pluridisciplinaires de santé ont été créés et mises en place, qui démontrent une forme d'efficacité, mais elles sont surtout implantées dans des villes de taille moyenne. C'est le cas dans mon département en Vendée, où vous êtes venu il y a peu de temps. Vous avez présenté dans votre plan les 100 médicobus, il en a été question dans les interventions précédentes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en préciser les contours un peu plus précis et nous en dire un peu plus sur ce dispositif? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Jean-François Lovisolo. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame la Ministre, pour votre engagement. Quelques petites questions. Pôle France Service, un vrai succès. Je crois que maintenant, il faut assurer la pérennisation des financements du dispositif, former le personnel, le qualifier pour pérenniser cet outil. J'avais une deuxième question sur la question des élus ruraux, et notamment les conseillers municipaux, maires adjoints, qui font vivre cette ruralité. Aujourd'hui, on fait tout, au quotidien dans l'actualité, on voit très bien qu'il y a des élus qui se font agresser. Il faut des dispositifs de protection pour ces élus. Et ensuite, deux petites dispositions qui sont des vieilles idées que j'essaie de développer, c'est-à-dire de réautoriser les financements croisés département, région, État pour les petites communes de moins de 1000 habitants et de pouvoir déroger pour ces petites communes qui ont peu d'autofinancement pour leurs projets municipaux la possibilité de déroger à la règle des 80% de financement. Donc on l'a fait sur les pistes DFCI, je vous en remercie. Ça va permettre de régler certaines problématiques. Mais pour les petites communes rurales, pour financer des petits équipements publics, je pense déroger à la règle de 80% pour les communes de moins de 1000 habitants, ça serait un sacré bol d'air. Merci. Merci. La parole est à Emmanuel Bléry. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vous ai accueilli en novembre dernier dans le Pas-de-Calais. Vous savez mon attachement à trouver de l'ingénierie pour nos maires ruraux. On a discuté sur place. Alors, sans chef de projet, moi, ça me va très bien pour nos territoires ruraux. Et on vous dit dans ce plan qu'ils seront implantés justement dans les arrondissements. Bah, j'ai envie de dire que c'est un peu faux, par contre. Bah oui, parce que
Par exemple, chez moi, sur la première circonscription du Pas-de-Calais, 294 communes, on dépend de la préfecture d'Arras, qui est en dehors de la circonscription. Donc ça veut dire par extension que ce chef de projet sera installé à Arras. Arras, ville urbaine, ville-centre de la communauté urbaine d'Arras. Donc je trouve ça un petit peu paradoxal de le voir installé dans cette commune, urbaine. Parce que quand chez moi, vous êtes à Marquion, par exemple, vous êtes plus proche de Cambrai dans le nord. Quand vous êtes chez moi à Auxil-le-Château ou peut-être à Le Translois, vous êtes plus proche de Péronne dans la Somme. Donc je vous demande, Madame la Ministre, vraiment de vérifier à ce que ce référent, ce chef de projet, soit implanté effectivement en territoire rural pour être cohérent avec ce plan, tout simplement. Voilà, donc, et de regarder les spécificités du territoire. Je vous remercie. Merci. La parole est à Antoine Villedieu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, on parle depuis le début de la présentation de votre plan des zones de revitalisation rurale qui ont été créées par ordonnance en 1995. Les gouvernements successifs ont toujours eu de bonnes paroles sur la ruralité, puisque c'est vendeur électoralement, on le sait. Mais aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous faire des ZRR depuis leur création? Je vous remercie. Merci. La parole à Sylvie Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous venez aujourd'hui nous présenter le plan France Ruralité qui va, selon les mots de la Première Ministre, répondre au sentiment d'abandon dans nos territoires ruraux. Cet abandon, nous l'avons très bien ressenti lorsque, sur ma circonscription, le 28 juin, vous avez décidé de stopper, en septembre prochain, le fonctionnement de la dernière trésorerie sur mon département. C'est à Arreau, un département qui comptait 13 trésoreries. Cette trésorerie se trouve dans une zone de montagne hyper rurale. Elle est défendue par 22 maires qui ont pris des délibérations pour son maintien, mais rien n'y a fait. À côté de ça, ce n'est pas moins de 5 postes de professeurs des écoles supprimés à la rentrée prochaine, soit 12 classes en moins, ce qui entraîne 4 fermetures d'écoles. Vous avez même dit, en présence des maires d'Ardingos et de Vignac, que les Français sont réfractaires au changement. Ce n'est pas vrai, Madame la Ministre. Ce sont ces mêmes Français qui font de notre pays la 7e puissance économique mondiale. Alors, Madame la Ministre, avec vous, la ruralité ne se sent pas abandonnée, mais méprisée. Ce fameux plan est une boîte à outils, merci, selon vos propres mots. Alors, avant de vendre des boîtes à outils, ne faudrait-il pas arrêter de tout casser? La parole est à Manon Meunier. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour nos ruralités, toujours la même sentence, les miettes. Pour la mobilité, votre plan prévoit 90 millions sur 3 ans. En parallèle, Macron a annoncé des milliards pour les métropoles et leur RER. Pour nos écoles, vous proposez des services civiques et des points info jeunes. Pourtant, il suffit de venir chez nous une seule fois pour se rendre compte que ce dont nous avons besoin, ce sont des maîtresses et des maîtres d'école. Nous nous battons tous les ans en Haute-Vienne contre des fermetures de classes à cause des pertes d'effectifs décrétées par votre gouvernement, sans parler des non-remplacements qui laissent nos enfants sans professeurs. Et pour notre santé, pour lutter contre les déserts médicaux, vous proposez des médicobus. Toutes ces solutions pansements ne feront pas illusion longtemps, Madame la Ministre. Ma question est simple, pourquoi n'y a-t-il aucun investissement de long terme pour nos services publics dans ce plan? Car c'est le seul moyen de casser le cercle vicieux engendré depuis des années. Si vous voulez que des médecins, des professeurs, des cheminots viennent s'installer chez nous, il faut leur montrer que les services sont là pour eux et pour leur famille. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Couturier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout à l'heure, quand je suis intervenue sur les 500 communes concernées, c'est tout simplement les échos qui révélaient le 14 juin 100 chefs de projet en préfecture ou sous-préfecture qui travailleront avec les collectivités locales ainsi labellisées. Ils visent 500 communes. A priori, vous avez démenti, puisque tout à l'heure, vous avez précisé que vous iriez au-delà. Mais je voudrais revenir sur un point. Cœur de ville, petite ville de demain, plan avenir montagne. Oui, ça a été des outils qui ont permis à certains de pouvoir réaliser des projets. Vous avez cité la question des 900 000 logements vacants. Et en ruralité, c'est une véritable préoccupation. Si nous voulons aujourd'hui rendre nos territoires attractifs, il faudra donner des moyens en termes d'outils aux maires pour pouvoir acquérir et préempter notamment ces logements vacants
de façon à pouvoir les réhabiliter et faire venir des populations. Merci. Et bien évidemment, il reste la problématique des mobilités qui sont le point central. Merci, Madame Couturier. Mais je rappelle que vous n'avez pas répondu à ma question sur le renforcement des dotations de fonctionnement. Merci. La parole est à Monsieur Di Filippo, à qui nous souhaitons la bienvenue de notre commission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Deux questions pour Madame la Ministre par rapport. Alors, pendant longtemps, on s'est plaint effectivement qu'il y avait beaucoup d'aide à l'égard des banlieues, des quartiers et très peu pour la ruralité. Et puis, progressivement, eh bien, on s'est rendu compte que la révolte grondait aussi dans les territoires périphériques ruraux. Et donc, par rapport à ces aides, le premier, quand on est englobé dans des plans d'aide, il y a de plus en plus d'études ou de personnes à recruter en ingénierie dans les collectivités pour pouvoir ne serait-ce qu'être éligible à ces aides. C'est énormément de moyens et je trouve que ça réduit beaucoup l'autonomie des collectivités pour aider, pour réaliser leur projet d'une manière libre. Et la deuxième, par rapport aux aides qui concernent plus précisément la biodiversité, les critères d'éligibilité, la dotation biodiversité. Les critères d'éligibilité concernent un certain nombre de zones protégées. Par contre, elles laissent un peu de côté nos réserves mondiales de biosphère de l'UNESCO. Alors, je doute bien que je vous prends à froid, mais je voulais juste soumettre cet argument à votre réflexion. Voilà, merci beaucoup. La parole est à Marie Pochon. Merci, Monsieur le Président. Merci, le Président. excusez-moi. Il y a 2 semaines, je peux reprendre au début ? On remet le chronomètre à zéro. Super. La parole est à Marie Pochon. Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines, un jeune homme est mort. Il conduisait sans permis. Chez moi, quand j'étais gamine, dans mon petit village, bien souvent, on conduisait des scouts sans permis parce qu'on n'avait pas le choix ou pas les moyens. Les banlieues qui s'enflamment ont beaucoup plus en commun avec les bourgs et les villages abandonnés que ce que l'on imagine, écrivait récemment Thomas Piketty dans Le Monde. C'est la surconcentration dans quelques hauts lieux de richesse, d'offres médicales, de commerces, de lignes de TGV, tandis que partout ailleurs, on crie au désespoir de voir tout se réduire. Le revenu moyen est d'à peine 9 000 euros par an et par habitant à Creil. Il stagne à 17 000 euros dans nombre de communes rurales de ma circonscription. Là où nous sommes exactement, le 7e arrondissement de Paris, il dépasse les 100 000 euros par habitant et par an. Tandis que certains montent précaires des campagnes contre précaires des villes, qu'allez-vous, Madame la Ministre, mettre en place pour résorber la fracture territoriale et ses inégalités abyssales? Une fracture qui est en train de tant abîmer ce qui nous est commun, la promesse républicaine de la liberté, de l'égalité et de la fraternité pour chacun de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Claude Roux. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Plan chaleur, plan logement, plan eau et maintenant le plan France Ruralité, autant de plans qui donnent l'illusion de prendre la mesure des enjeux, alors que la réalité est tout autre. Vous laissez les situations dépérir. Comme tous les plans précédents, France Ruralité déçoit. Si je peux vous reconnaître un bon diagnostic, je constate surtout la faiblesse de vos propositions et un manque flagrant de moyens. Avec les 100 médicobus, l'attente sera très longue sur les parkings et il faudra s'armer de patience ou avoir beaucoup de chance pour voir un médecin dans certains territoires. Nous avions des solutions transpartisanes pour favoriser un accès aux soins permanents. Vous les avez rejetées. De la même manière, les 100 chefs de projet risquent d'être tellement sollicités par les élus que certains villages ne verront pas l'avenir d'aussitôt. Dans les ruralités, les habitantes et habitants ne demandent pas l'aumône, ils et elles ne demandent finalement ni plus ni moins que la mise en œuvre effective de la promesse républicaine d'égalité, l'égalité de l'accès aux mêmes droits, quel que soit l'endroit où l'on vit. Madame la Ministre, ma question est donc la suivante. Comment allez-vous convaincre votre gouvernement de sortir d'une vision misérabiliste des ruralités? Et quand prendra-t-il les mesures nécessaires à l'équité territoriale que vous évoquiez Merci. Au tout début de votre intervention? Merci. La parole est à Jean-Louis Bricou. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi, je voudrais vous parler de la ruralité profonde, celle qui s'organise un peu autour des petites villes bourg-centre. Une ruralité qui n'est pas non plus résidentielle, parce qu'elle est proche des grandes villes, qui n'est pas non plus touristique, parce qu'on a ni la mer, la montagne. C'est plutôt la ruralité qui est souvent oublié. Alors, ce qui nous plombe chez nous, en fin de compte, c'est la baisse démographique qu'on subit depuis des années. Ce quelque part, elle conditionne l'équilibre financier des services publics, mais des services privés aussi. Elle conditionne les problèmes d'investissement dans les infrastructures pour un retour sur investissement qui n'est pas évident. Elle conditionne aussi, vous en avez parlé, les problèmes sur les logements vacants. Alors, pourtant, moi, quand je regarde un peu les politiques qui sont menées, notamment sur le logement,
on se rend compte qu'on accompagne, on ne fait qu'accompagner toujours ces politiques de métropolisation, notamment comment on libère le foncier, comment on construit plus vite, plus haut, plus en fin de compte, vous faites un choc de l'offre pour la ville. Mais ce qu'on attend chez nous, c'est plutôt un choc de la demande pour les territoires comme le nôtre. Et en déplaçant, en déconcentrant, en fin de compte, l'économie, je pense que ça fait partie des solutions, parce que c'est l'économie qui fige, en fin de compte, les populations. Donc, quand allez-vous participer à cet équilibre du territoire par l'économie? Merci. Merci beaucoup. Vous avez demandé un choc. Le voici. La question de M. Guy Bricou. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Alors, on se félicite de certains points particulièrement positifs, tels que la pérennisation des ZRR, le renforcement de l'ingénierie auprès des maires ruraux, le renforcement des aides aux territoires ruraux pour leur planification écologique. Comment avez-vous prévu de déterminer les communes ayant le plus besoin des ZRR à l'avenir? J'ai lu que vous deviez poursuivre la négociation, notamment avec nous, parlementaires, mais également des associations d'élus, des acteurs économiques, pour définir les nouveaux critères qui permettront de déterminer le nouveau zonage des ZRR. Comment concrètement comptez-vous nous inclure dans cette réflexion et quel est le programme prévu à cet effet? La Première ministre a déclaré que suite à ce plan, des... à présent, 75 premiers commerces allaient ouvrir. Vous nous le confirmez-vous et comment cela a-t-il pu être effectif aussi rapidement? Selon quels critères ces commerces ont-ils été choisis? Je vous remercie. Quand c'est terminé, il y en a encore. Et il me semble que M. Lovisolo voulait encore prendre la parole et on lui laisse avec plaisir. Si d'autres collègues veulent encore s'exprimer, vous n'hésitez pas. Merci Président, vous êtes super sympa avec moi. J'avais un point et je dépassais la minute, donc j'en profite. On parle de ruralité, mais il y a des ruralités qui sont très diverses en fait. Et la question, c'est que la Première ministre récemment s'est exprimée sur un droit à la différenciation, c'est-à-dire d'adapter les politiques publiques en fonction des territoires. Et je pense que ça s'adapterait vraiment à la question des ruralités sur nos territoires, parce que entre le département de Vaucluse et le département de Jean-Louis Bricou, je crois que c'est deux mondes inversés. Et donc la question, j'aimerais savoir ce que pense la ministre de cette possibilité d'un droit à la différenciation et de donner la possibilité aux élus locaux et aux préfets de département de mettre en place des politiques publiques dans un cadre normé d'État. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Monsieur Topiak. Juste oui, monsieur le Président, madame la ministre, une réaction là, à ce que disait mon collègue Jean-Louis Bricou. L'objectif, et peut-être ce qui manque de clarté dans France Ruralité, c'est de savoir quels sont les objectifs poursuivis et que voulons-nous pour notre ruralité de demain. Alors, moi, je donne quelques exemples. Dans ma ruralité, dans le Gers, nous avons une population qui augmente de manière artificielle avec un solde migratoire positif, un solde naturel négatif. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec une population active très basse, une des plus basses, c'est la région Occitanie, avec parallèlement un taux de chômage bas aussi à 5%. Et donc il y a aussi tout l'enjeu pour nos entreprises de recrutement et comment nous rendons notre ruralité aussi attractive pour des jeunes actifs qui voudraient s'installer chez nous. C'est un vrai enjeu. Sur mon territoire, 190 000 habitants, 22 000 offres d'emploi à pourvoir, et des difficultés énormes pour les entreprises de recruter. Je crois qu'il y a des objectifs aussi que nous devons fixer pour rééquilibrer la pyramide des âges dans notre ruralité. Merci, chers collègues. Tout le monde a pu s'exprimer. Madame la ministre, j'insiste une nouvelle fois, vous l'avez compris, sur l'intérêt que portent les collègues à vos sujets. Je pense que le nombre de questions en témoigne. Et je vous laisse le soin de répondre. Donc c'est le député David Valence qui a commencé avec deux points. Le premier pour saluer Action Cœur de Ville et PVD, mais pour dire qu'il y avait des remontées de terrain qui vous laissaient penser qu'il n'y avait peut-être pas le pilotage auquel on était habitué. Alors, probable, je l'ai entendu aussi. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on a un nouveau directeur général qui est arrivé à la NCT, qui s'appelle Stanislas Bourron, et un président qui s'appelle Christophe Bouillon, et qu'ils sont en phase de projection d'une organisation, d'une nouvelle organisation, et donc de recrutement assez important par rapport à l'organisation sur laquelle ils se projettent. Aujourd'hui, il y a une dame qui a été recrutée pour piloter PVD et ACV,
les deux ensemble, alors qu'avant, on avait Juliette et Roland séparément, avec deux programmes séparés. Il a considéré qu'il y avait trop de cloisonnement à l'ANCT, et donc il essaye d'organiser, par le management et l'organisation, une plus grande mutualisation. J'ai rencontré pour la première fois cette dame qui pilote ces deux programmes. Il faut lui laisser le temps d'arriver et qu'elle organise sa première réunion des chefs de projet, PVD ou ACV, pour pouvoir effectivement relancer. Mais je pense que c'est plus vrai sur PVD que sur ACV, parce qu'avec ACV2, on a vraiment lancé ACV2. Et voilà. Donc, quel est le bilan que nous tirons? Il est extrêmement positif. On a un bilan de ACV et de PVD qui a été fait par l'ANCT, qu'on peut vous faire parvenir. Le bilan, moi qui ai été ces derniers mois en immersion dans des communes, et vous l'avez dit pour la vôtre, mais c'est vraiment un vrai succès. Les maires sont heureux, les habitants sont heureux, les villes changent. La dernière, c'était La Roche-sur-Yon, qui a embarqué Action Cœur de Ville 2. Partout, PVD, ACV, je n'ai jamais entendu de critique. Je n'entends que, et maintenant que l'ingénierie, quand elle est faite, est-ce qu'on va pouvoir bénéficier des financements? Et je travaille à prioriser les financements en investissement quand on est labellisé ACV-PVD, et on va y arriver avec la DGCL et avec l'ANCT. Ensuite, le pilotage de France Ruralité va être à l'ANCT aussi. Et il va y avoir 3, 4 personnes qui vont piloter les chefs de projet, qui vont être sous la responsabilité des préfets, certes, mais qui auront bien besoin d'une animation au même titre que PVD et KCV. Et ensuite, quels seront... Vous avez été plusieurs à me demander quels allaient être les critères qui feront que les communes vont se retrouver à bénéficier ou pas d'aménités rurales, parce qu'il y a des centaines de milliers d'hectares de forêt sur certaines communes et pas d'autres. Est-ce que la taille des communes aujourd'hui sera la référence, comme elle l'est dans les zones Natura 2000 ou dans les parcs naturels? La réponse à venir, tant que les deux inspecteurs de l'IGEDD ne m'ont pas remis le rapport, c'est pour... Moi, j'avais demandé fin juillet. Ce sera fin juillet. Voilà. Et parce que c'est ça qu'on veut mettre dans la loi, c'est pour ça qu'on attend ce rapport, pour mettre ces critères, ça serait troisième article de la loi. Mais comment on peut vous associer? Vous avez été nombreux. Moi, je demande à Monsieur le Président, moi, je vous associe au stade que vous voudrez, sur le sujet des ZRR, sur le sujet des critères d'aménité rurale. Comment voulez-vous procéder sans charger trop votre commission, mais pour qu'on ne travaille pas sur un projet de loi qui nous arrive du Sénat ou un PJL sans qu'on se soit revu et que vous n'ayez pas le sentiment que vous ayez été associé? Qu'est-ce que vous me proposez, Président, en la matière? Je pense qu'on peut avoir quelque chose de très ambitieux, Madame Couturier. On pourrait, si vous le permettez, Madame la Ministre, organiser un groupe de travail pour avec vous, avec votre cabinet, de sorte à ce que nous puissions anticiper l'arrivée du sujet d'un point de vue législatif, en sachant bien entendu que notre commission voudra avoir une place importante dans le dispositif. Donc un groupe de travail associé à votre cabinet pour avancer sur ces sujets. Et bien entendu, un groupe de travail transpartisan, de sorte à ce que Madame Couturier puisse participer aux travaux. Qu'elle ne se sente pas exclue. Monsieur Yannick Horry, vous avez fait référence au plan du président de la République sur les mesures en faveur de la ressource en eau. Ben, les objectifs sont clairs, hein, mais je pense que la ruralité jouera son rôle en matière de sobriété, parce que c'est quand même une sobriété d'usage qui d'abord est appelée de ses voeux. Des pourcents d'économie dans les prélèvements d'ici 2030, mais tout ça, ça a été dans le plan que tu me relistes là. Pourquoi veux-tu que je le rappelle à monsieur qui le connaît probablement très bien s'il me pose cette question? Donc, je n'ai pas saisi, sur le sujet de la ressource en eau, la question, et si le monsieur le président vous le permet, c'est juste de clarifier. La question concernait l'ingénierie nécessaire aux communes, et également les financements éventuels concernant donc les améliorations des réseaux, etc.
partagée. Et ça serait super qu'une commune, un groupement de communes, se saisisse de cette ingénierie pour dire qu'il y a une réflexion à conduire. Je suis contrainte de transférer mon eau, par exemple, et on sait que certaines le feront au forceps, et donc vraiment pas envie de le faire, à l'intercommunalité. Est-ce qu'on peut m'accompagner sur ce sujet? Mais est-ce qu'on peut m'accompagner aussi, j'ai une source sur ma commune, pour travailler sur comment je peux préserver la pureté de mon eau et quelle garantie j'ai, quel type de pollution je peux avoir. Bien sûr que là, le chef de projet, ça va pas être peut-être le plus compétent sur le sujet, mais il va s'appuyer sur l'agence de l'eau, il va s'appuyer sur l'ADEME, il va s'appuyer sur tous les acteurs dans le territoire sur ces sujets, et il va s'assurer qu'on répond bien au cahier des charges du maire, parce que parfois ces agences, elles viennent avec finalement des choses un peu pensées d'en haut, et là notre projet c'est vraiment j'écoute le maire sur sa problématique de ressources en eau et je l'accompagne pour essayer d'y répondre, quelle que soit sa problématique. Donc oui, ils pourront se saisir sur ce sujet de l'ingénierie mise à leur disposition par ce chef de projet et qui pourra être encore une fois sous-traité à des gens qui connaissent encore mieux le sujet. Troisièmement, Laurence Edel Griel. Alors, j'aime bien votre question parce qu'elle est très concrète et très pragmatique. Mais vous me dites comment ça marche. Comment ça marche? J'ai envie de dire qu'une fois que je vous ai dit que ça part du territoire, ça part de monsieur le maire. Mais ça peut partir de monsieur le président de l'intercommunalité. Et comme ça peut partir, si vous avez un PETR fort qui a déjà conduit des travaux d'ingénierie, de même. Donc, ça part du territoire. Mais prenons l'exemple d'un maire. Qu'a-t-il mis dans son projet pendant sa campagne en 2020? Qu'est-il en train de faire? Que porte-t-il? Si vous avez l'occasion d'échanger avec lui, il faut qu'il émette un souhait. C'est pour ça que c'est très très difficile. Et si vous me dites, il porte un projet sur les zones blanches, il porte un projet de logement, il porte un projet d'eau, il porte un projet de voiture, mais déjà, il va bénéficier d'une demi-journée pour un pré-diagnostic de ce chef de projet qui va venir travailler 3 heures avec lui et ses collègues élus pour définir ce qu'il porte, et en définir les pourtours, pour voir quelles compétences il nous faut mettre à son chevet pour que son projet aboutisse. Mais s'il nous parle d'un sujet, par exemple, de véhicule, il va falloir qu'il le porte à 3, 4, 5 communes. On ne va pas mettre un projet de mobilité du dernier kilomètre à la maille d'une commune. Donc tout de suite, chef de projet va lui dire, mais voyez vos collègues sur un bassin de vie autour de votre bourg-centre, qui n'est pas forcément votre intercommunalité, voyez-vous, et je reviens vous voir encore une demi-journée pour travailler et faire aboutir le projet. Ensuite, une fois qu'il y a 4 communes d'accord pour travailler sur un projet de mobilité, eh bien, il faut de l'ingénierie en mobilité. Donc, on va, chef de projet, il va soit faire lui-même, s'il est déjà rodé à ces sujets, en une semaine, en 15 jours, parce qu'il va falloir associer les habitants, accompagner les élus à associer les habitants dans l'écriture de leur projet. Il va falloir aller chercher les sachants, qui sait faire. Il va falloir aller voir si le département n'a pas un projet pour être sûr que... voilà. Et ensuite, une fois que la solution va avoir émergé, eh bien, on va l'accompagner en investissement pour accompagner cette solution. Ce qui serait difficile, c'est si un maire dit, ben moi j'ai un problème de zone blanche, de logement, d'eau et de voiture. Oui, c'est pas le même type d'ingénierie, on va lui dire, le chef de projet va lui dire, si personne ne lui a dit avant, il faudrait que vous priorisez et que vous regardiez si votre projet ne peut pas fonctionner pour 2-3 communes alentour. Je prends un projet culturel, je l'ai eu, une commune qui est très dynamique, qui porte un petit festival et qui voudrait, c'est ça qu'on veut accompagner en médiation culturelle. Mais que dire entre si on est dans un village de 300-500 habitants, travailler avec les 4-5 villages et bourgs à côté, vous allez voir que votre festival, tout de suite vous allez trouver des bénévoles en plus et on va vous accompagner, mais portez-le à 4-5 villages que tout seul. Et il m'a dit, ah oui, je peux faire ça, je m'entends bien avec les maires voisins. Mais voyez, il faut encourager quand ça a du sens. Sur le logement vacant, bien sûr que non, le logement vacant c'est sur sa propre commune, on va pas lui dire regardez les logements vacants des communes alentours. Donc là on va au contraire l'amener à travailler, on va regarder quels sont les outils, existe-t-il des outils ou pas. Là c'est un long travail qui est à faire par le chef de projet ou par des professionnels du CEREMA ou d'autres pour accompagner la lutte contre le logement vacant. Et donc comment ça va se passer? C'est le maire qui lève le doigt dans cette première réunion que va organiser le chef de projet avec tous les maires. Il va repartir avec dans sa besace 20 ou 30 projets qui vont déjà lui être signalés. Il va leur dire, écrivez-moi un mail d'au moins 10 lignes avant que je vienne. 10 lignes, il va y aller, une demi-journée, pré-diagnostic, et on rentre dans le programme d'ingénierie qui va être fait ou par lui ou par d'autres, mais qui vont être, en tout état de cause, coordonnés par ce chef de projet. C'est avant tout un rôle de chef de projet. Mais là encore, c'est comme ça que moi je l'ai imaginé. On a travaillé sur la base d'un projet qui émerge de chez eux, donc à vous de nous dire si effectivement
ils n'osent pas ou s'ils portent des projets qui sont pluriels en même temps, ils ont du mal à prioriser. On s'adaptera. Ensuite, Sophie Panonacle. Oui, on a travaillé ensemble sur les communes forestières. Et le garde champêtre, hein, oui, au 1er septembre, on y a travaillé avec Stanislas Guérini, on y a travaillé avec les associations d'élus, les gardes champêtres sont au cœur de notre projet, il faut revaloriser ce beau métier que celui de garde champêtre. Alors, je n'avais pas la réponse sur est-ce qu'on a un avis favorable de la FPT et du Conseil d'État. On n'a pas d'avis, ni favorable ni défavorable. Voilà. Donc, on attend. Mais en tout cas, nous, avec Stanislas, on soutient énormément cette reconnaissance. Ils ne peuvent pas évoluer dans leur métier. Ils font un très beau métier. On peut être beaucoup plus attractif, comme on l'a fait pour les secrétaires de mairie. Il faut le faire pour les gardes champêtres. Si ça n'arrive pas spontanément, ça pourra partir d'une PPL portée par vous-même. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Je prends l'engagement. Aussitôt qu'on aura la réponse... je reviens vers vous parce que c'est au cœur du sujet. Pourquoi on voit cette population de gardes champêtres diminuer? Parce qu'on est, on s'en est pas suffisamment occupé alors qu'ils sont extrêmement utiles. Il faut organiser des passerelles avec d'autres métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Quand ils ont fait ça pendant 10 ans, si on veut attirer des jeunes, il faut leur permettre d'évoluer. Tout ça, on l'a travaillé. J'espère que ça sera satisfaisant, sinon on ira plus loin parce qu'on est motivé avec Stanislas Guérini sur ce sujet. Stéphane, le député Stéphane Buchou, vous nous dites vous aussi concrètement, il est où Stéphane Buchou? C'est là. Vous nous dites accès aux soins, maison pluridisciplinaire, plan des 100 médicobus, qu'est-ce que tu m'as dit? Rien. Donc, concrètement, comment va fonctionner sur le sujet de l'accès aux soins, le dispositif? Donc là, je fais un autre cas de figure. Là, je l'ai fait pour logement, mobilité, mais là, sur la santé. On est sur un territoire désert médical. Qui porte une dynamique? Qui se bouge sur le territoire sur ce sujet? Qui dit il n'y a rien pour nous aider? Déjà, si vous, députés de la Circo, vous les connaissez, les 3-4 maires qui ont envie de porter le sujet, les 3-4 interco, est-ce que le président du département porte ce sujet, oui ou non? Vous avez déjà cette vision. Donc vous qui connaissez France Ruralité, vous allez voir les porteurs de projets. Il nous faut un porteur de projet, ce n'est pas nous qui allons dire on met un bus dans ce département à cet endroit-là ou pas. Donc c'est à vous d'aller chercher le projet. C'est l'inconvénient de ne pas porter une politique publique top-down, c'est qu'il faut qu'elles émergent. Donc qui va le porter? Soit un maire qui a un bâtiment et qui se dit « moi j'ai envie, je vous prends l'exemple, où est-ce que j'ai été dans cette commune, pas dans le Cher, mais juste à côté. Elle est allée chercher elle-même un partenariat avec le CHU. Elle a tous les spécialistes qui viennent une demi-journée par mois sur sa commune. Elle a organisé un lieu. On l'a aidée avec de la DETR à 80% à financer la rénovation du lieu. Elle est allée avec sa petite mallette convaincre des médecins libéraux ou spécialistes uniquement, parce qu'elle avait suffisamment de généralistes. Et elle leur a dit, vous ne pouvez pas me laisser tomber, une demi-journée par mois, je vous organise tout. Mais vous voyez, il faut une dynamique au départ. Et ensuite, il faut des sous, et on est là pour les donner. Sur les médicobus, comment ça marche si c'est ce sujet que le département ou l'intercommunalité se saisit? On finance le médecin, d'accord, qui fait le choix de venir, et on vous le trouve, c'est l'ARS qui travaille sur ce sujet et qui le finance. Sur l'investissement, on ne finance que 50%. Donc là, on vous invite à trouver département, mais là, pour l'instant, les départements m'ont dit, mais nous, Medicobus, on était prêts à les financer. Il y a plusieurs départements à 100%. Donc, on le finance à 50% en investissement et 100% en fonctionnement. Voilà. Donc, comment ça marche? Il faut un porteur de projet. Il faut que quelqu'un... on ne peut pas financer un Medicobus s'il n'y a pas un département, une interco... Et là, on n'est pas trop à la maille communale pour le médicobus, on est plus à la maille intercommunale. Financer. Ouais. Vous en doutez, hein? Bon, moi, je suis d'accord avec vous. Ça risque d'être difficile, mais en tout cas, c'est aujourd'hui dans le dispositif. C'est à eux de nous accompagner. Et on est content d'avoir pu travailler avec François Braun et sur ce sujet. Bon. Alors, on va voir. Avec plaisir. Jean-François Lovisolo. Alors, sur le sujet des élus agressés, dispositif, est-ce que tu veux que je rappelle ce que rappelle le plan pour les élus, et y compris en ruralité? Il n'y a pas de différence entre les élus en ruralité
et les élus, mais en tout cas tous les élus bénéficient de tout ce que l'on a annoncé aujourd'hui, mais les mesures principales, c'est les 3400 gendarmes, et on est tous potes avec les gendarmes, il faut s'assurer qu'ils font le aller vers. 3400 gendarmes, c'est pas parce qu'on les connaît, qu'on a leur portable, que le maire se sent en sécurité et qui sait qui est le gendarme sur son arrondissement, qui est le spécialiste de la violence faite aux élus et donc de la protection d'un élu, son domicile, sa mairie. Donc ce aller vers, il se déploie admirablement bien. Moi, je fais le tour des départements et on me dit, il est venu me voir. Parce que c'est pas parce qu'on l'a identifié qu'il y va, donc il faut le redire. Donc ça, j'ai vu le DGGN, les messages passent. Donc, premièrement, on a 3400 gendarmes qui sont spécialisés sur la violence faite aux élus, qui accompagnent la protection de l'élu. On a ce dispositif alarme, il faut leur dire d'enregistrer leur mobile et qu'ils disent lequel, nos maires et tous nos élus, dans cette base de données, pour que quand ils appellent le 17, tout de suite, ils aient une protection, parce qu'ils sont des personnes à risque par rapport à d'autres. Et donc, il faut que il se signale. Qu'allons-nous rajouter ? Qu'ai-je annoncé vendredi dernier ? On est mardi ? Vendredi dernier, vous avez vu dans la presse tous ces derniers jours. Quatre axes. Le premier, ce qu'on appelle la protection juridique et psychologique. Moi, j'ai vu, à l'arrière de la réunion que le président de la République a organisée avec 300 maires qui sont venus, à la fin, donc certains sont sortis, j'ai parlé avec une quinzaine de maires par groupe de 3-4, il y en a un qui s'est mis à pleurer et qui m'a dit, pourtant mon épouse, mais moi j'ai eu la même chose que ce qui s'est passé à l'allée des Roses, sauf que comme les gendarmes étaient là, la voiture bélier, elle n'est pas rentrée chez moi, mais moi c'est violent, et puis il parle, et puis bon, voilà. Donc l'accompagnement psychologique, alors on nous dit c'est pas assez, là encore 5 millions c'est pas assez, là, nous on a mis 1 million pour accompagner qui ? Des associations dont c'est le métier, mais qui vont créer un guichet unique pour l'accompagnement d'élus qui ont une forme de besoin d'être accompagnés par rapport à cette violence. Parce que tous sont courageux, moi jusqu'à présent, depuis le maire de Saint-Brévin, tous ceux qui ont fait l'objet, y compris la première adjointe que j'ai rencontrée de Saint-Brévin, tous me disent on ne démissionnera pas, la République fera front. On le sait que nos maires, c'est notre front républicain. Donc du coup, cette violence, c'est d'abord la protection fonctionnelle qui va donc être automatique et gratuite pour toutes les communes de moins de 10 000 habitants en ruralité. Donc ça, il faut le leur dire, ils n'ont pas besoin de délibérer, ils vont être protégés, on prendra en charge ces frais et en même temps, les compagnies d'assurance paieront les frais de procédure, etc. Protection juridique et protection psychologique par le biais de ces associations spécialisées, on a découvert ça, avec lequel le garde des Sceaux travaille sur les violences faites aux femmes, toutes ces personnes qui font l'objet de violences, c'est quand même un métier, et il y a des guichets qui s'ouvrent un peu partout, violences faites aux élus. Est-ce que les élus vont être en nombre à utiliser ce numéro et ces associations ou pas ? Est-ce qu'en millions d'euros à ces associations, ça va suffire, il en faudra plus ? Je ne sais pas, mais au début, on met cet argent. Ensuite, protection physique. On a un vrai problème de capacité à élucider qui est à l'origine de ces violences. Donc, on s'est aperçu que même quand, parce que ça doit passer par une autorisation évidemment du procureur, on ne peut pas mettre, pour protéger le maire, des caméras sur la voie publique sans autorisation, parce qu'on n'avait pas des caméras dans nos gendarmeries et dans nos... Alors j'en profite pour expliquer ce dispositif qui, clairement, ce sont des caméras, ce ne sont pas celles qu'on connaît dans nos communes qui nous font aller chercher du fonds FIPD pour financer de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance dans nos communes. On ne parle pas de ce type de caméra. On parle de caméras qu'on met cachées pendant une semaine, pendant 15 jours, pour protéger monsieur le maire, pour pouvoir être capable de trouver qui s'attaque à monsieur le maire. On le met pas parce qu'on l'a décidé, et parce que on le met parce qu'il y a eu un jugement qui dit que ce maire est menacé. Alors, le procureur autorise les gendarmes et la police. Mais il n'avait pas ces caméras. Donc, on met de l'investissement, 3 millions de caméras, pour les mettre de façon autorisée par notre tribunal pour permettre d'élucider ces problèmes. Ça, c'est le deuxième axe, c'est la protection donc physique. Le troisième axe, premier, protection juridique, protection judiciaire. Donc là, on arrive dans la protection judiciaire. Et là, c'est un texte de loi que j'espère on votera à l'unanimité. C'est ce texte qui va nous permettre, parce qu'on n'a pas pu le mettre dans la LOPMI parce que c'était un cavalier, qui va nous permettre de sanctionner qui s'attaque à un élu de la même façon que qui s'attaque à un gendarme ou un policier.
Et puis, il y a plusieurs petites choses qu'on va mettre dans ce texte de loi, sur lequel on ne peut pas non plus le mettre dans la loi que porte le garde des Sceaux pour la justice, parce que c'est une loi de programmation, ça serait un cavalier aussi. Donc on va passer ça ensemble. C'est le judiciaire, on a besoin de sanctions qui montrent que... on ne s'attaque pas à un élu de la République. Et puis le dernier, c'est ce rapprochement, mais qui est en train de s'opérer, entre les maires et le parquet. Moi, je vous ai dit 82 ou 83 visites à ce week-end dans les territoires, et je n'avais jamais vu de procureur pendant les 75 premières. Et là, toutes mes réunions d'AMF, organisées par l'AMF, organisées par le préfet, toutes les réunions où il y a des maires, le procureur vient. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une circulaire avec le garde des Sceaux, Gérard Damanin et moi-même, qu'on a passé aux procureurs et aux préfets pour dire, les procureurs, rapprochez-vous des maires. Vous devez, il l'avait déjà dit, il en était à sa cinquième circulaire. Mais les procureurs, très occupés, n'allaient pas au-devant des maires. Et là, toutes les prises de parole faites par les procureurs, ben ils disent, au tribunal de là où il est, eh bien c'est tant de personnes, tant d'élus qui ont été menacés, cyberviolence, tant, ils donnent des chiffres, ça donne une lisibilité sur l'action judiciaire qui nous semble intéressante, parce qu'on a quand même un sentiment d'impunité qui nous agace un peu tous. Donc le quatrième axe, c'est ce rapprochement qui est en train de s'opérer entre les parquets et les collectivités locales. Vous allez me gronder, monsieur le Président, je suis trop longue, non ? Ah non. Alors, je ne vous gronderai jamais si vous répondez avec autant de précision à nos collègues. D'accord, donc ça c'est donc Jean-François. Et alors, Jean-François porte le fait qu'on déplafonne de 80%. Alors là, on va porter une loi, comme l'a dit Christophe Béchu là à l'instant, dans le cadre de la reconstruction de tous nos bâtiments qui ont été détruits, et c'est pas moins de 500 communes qui ont eu... Et donc là, la loi d'urgence va faire qu'on va déplafonner, effectivement, on va aller jusqu'au reste à charge zéro pour la commune. Ben, la dérogation pour aller à 100%, elle est entre les mains des préfets. Là, l'exception, c'est ce que dit toujours la Première ministre, l'exception est possible, et la dérogation, le droit à la dérogation, il est à la main des préfets. Mais il faut des conditions bien précises pour que le préfet s'en saisisse. Et le droit à la différenciation, je vous invite, c'est un marqueur de notre gouvernement, on en est fiers, mais il faut aller jusque... nous dire s'il faut du texte de loi pour que... Mais sinon, il faut s'en saisir, comme celui du droit de dérogation du préfet. On ne s'en saisit pas assez. Et moi, je partage absolument tout ce que tu as dit sur la nécessité d'aller beaucoup plus loin dans la différenciation des territoires. Dans un territoire A, on va avoir besoin de mettre beaucoup d'argent dans de la mobilité. Dans un territoire B, ça va être la lutte contre le logement. Il va falloir s'adapter, créer des outils. Hein. Je vous invite à lire en détail France Ruralité, mais la Banque des Territoires qui n'y venait pas spontanément va y venir. Ils peuvent aller jusqu'à créer une foncière pour le logement. Mais évidemment, pas une foncière par commune, mais une foncière par département. Et ils vont aller sur toutes les communes qui vont vouloir lutter contre le logement vacant. Retour sur investissement 45 ans, du coup des loyers très intéressants qui vont permettre de rendre des logements qui étaient vacants, leur donner une possibilité d'être loués. Emmanuel Bléry, 214 communes à Arras. Et donc il faut... Comment ? 294, ok. Arras, il ne faut pas mettre à Arras le chef de projet. Moi, j'ai envie de dire un bon chef de projet. Il faut quand même il y a deux choses pour soit un bon chef de projet. C'est celui qui sait aller chercher tout ce qu'il y a dans les services de l'État en région. Donc, il ne faut pas qu'il soit tout seul à la campagne. Il faut qu'il ait tous les services de l'État pas loin, le préfet pas loin, pour qu'il puisse agir vite. Mais par contre, il faut qu'il soit dans sa voiture, dans le train, dans le bus... en ruralité. Mais si la sous-préfecture n'est pas bien située ou qu'elle est trop grande, ben le préfet d'arrondissement, il va pouvoir... Tout ça va pouvoir être organisé. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à la fois, je souscris à ce que vous dites, il doit être proche des maires, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit proche d'un, deux, trois maires. Il y en a 294, donc il faut qu'il soit à un endroit où il peut aller vite auprès de tous, et il faut surtout qu'il puisse vite utiliser l'ADEME, l'Agence de l'eau, le DDT, le CEREMA, tous les services de l'État et qu'ils puissent les activer. Donc, puis il faut qu'ils puissent partager avec les collègues des services de l'État en région. Donc ce n'est pas tout dans la commune et en ruralité, ce n'est pas tout auprès du préfet, mais il faut qu'il soit à la fois beaucoup sur le terrain et en même temps, il faut qu'il puisse rendre compte à son préfet qui va lui dire « Attends mec, tu viens d'arriver, mais moi je vais te dire il faut faire ci, il faut faire ça pour aller un peu plus vite quand même. » Et le fait d'avoir un préfet qui connaît le territoire. Mais je vous redis à tous ceux qui êtes là, si vous avez dans votre entourage des candidats,
pour ces postes de chef de projet, proposez-les. C'est un double entretien entre l'ANCT et le préfet. Et on a au moins 10 postes qu'on peut pourvoir dès maintenant, même si France Ruralité, c'est pour 2024. Ensuite, Antoine Villedieu. Bilan des ZRR. On l'a. Un dispositif essentiel pour les entreprises avec un taux de recours discutable. Où il est ? Il est là, monsieur Villedieu. Juste là. Monsieur Villedieu, voilà. Oui, discutable. Pourquoi discutable ? Parce qu'il y a des communes qui sont en ZRR et qui ne s'en sont pas saisies et qui n'ont pas utilisé l'outil pour en faire un outil d'attractivité. Donc, beaucoup de rapports ont dit les ZRR, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas que ça ne marche pas. Partout où on s'en est saisi, ça marche très bien. Le problème, comme toujours, hein, quand, dans les politiques publiques, c'est qu'il faut les faire connaître. Et quand le maire les connaît, ben, je peux vous dire que ça marche. Véritablement, ça rend attractif le territoire. Donc, c'est quand même 380 millions d'euros, hein, encore en 2023. Et donc, il y a une définition territoriale aujourd'hui des ZRR un peu nouvelle qui va faire que ce périmètre de délimitation, il va aussi servir pour la santé, pour l'éducation et pas seulement pour l'économie, mais pour rendre attractifs nos territoires un peu dans toutes les politiques publiques que l'on peut porter. Et c'est ça que l'on veut mettre dans la loi des ZRR. Sylvie Ferrer, alors je comprends votre tristesse et votre déception, mais on ne va pas faire les rendez-vous, on en a fait deux ensemble, un en présentiel et un en visio, avec à la fois le délégué CGT de la trésorerie, et je me suis, comme vous l'avez vu, investi entre nos deux rendez-vous pour voir la pertinence ou pas de la fermeture de cette trésorerie. Mais je ne vais pas reprendre vos chiffres, on a déjà débattu du sujet. Je comprends, et moi je suis très respectueuse de votre conviction, je vous sais totalement sincère et convaincue. Je vous dis simplement que oui, je suis intimement convaincue, ça va mieux marcher demain. Vous me dites non. Et vous en êtes intimement convaincu aussi. Mais ne débattons pas plus, on l'a déjà fait deux fois. Les deux maires, j'ai demandé à ce que le conseiller aille les voir. Au lieu d'aller voir la trésorerie, c'est le conseiller financier qui va aller les voir, autant de fois que nécessaire. Attendons leur retour. Mais en attendant, un maire qui se déplace pour aller à la trésorerie pour 10 fois dans l'année, pour aller lui dire, voilà, je me pose telle question. Enfin bon, on a des gens pour faire ça, qui font le aller vers les maires. Il va appeler, il aura le rendez-vous, le maire. Les deux maires que l'on a rencontrés. Et je pense que, oui, je l'assume, qu'il y a un côté, et si vous ne le voyez pas, moi je ne méprise personne, et je le prends là aussi pour une insulte que je trouve complètement déplacée, ce n'est de dire que les Français sont réfractaires au changement, la réponse est pour moi oui, pour vous non. Mais je ne méprise personne en disant ça, je pense qu'on fait comme on a toujours fait, on a des pratiques, et moi-même, je fais partie de ces Français qui, quand je ne me fais pas violence sur certains sujets sur lesquels mes enfants me bousculent, eh bien, je suis réfractaire au changement. Et ça n'est pas une insulte que de dire qu'on aime faire comme on a fait, on aime faire comme on connaît, et on aime faire, et je vous ai cité des exemples, on aime faire comme on fait avec nos trésoreries, mais moi, je pense que les maisons France Service, là où les présences de nos trésoreries régionales sont là, fonctionne très bien, le citoyen en est satisfait. Et après, on me dit, et je l'ai vécu en tant que maire pendant 8 ans, j'ai porté plusieurs fois des programmes impopulaires. Voilà. Et j'ai même douté, comme tous les maires, qu'il fallait les porter à tel point, je sentais qu'ils étaient réfractaires au changement. Et bien voilà, vous me croyez ou pas, non, c'est pas un dialogue, vous avez pris la parole, et monsieur le président vous le donnera à la fin si vous le voulez bien, mais voilà. Mais vous me croyez ou pas, ces programmes, au nom de 3, j'ai porté en près de 10 ans, les 3, tout le monde s'est entendu à dire a posteriori, ah madame le maire, vous aviez raison. Donc oui, on est réfractaire au départ, et puis après on s'aperçoit que ça a du sens. Parfois on se plante, mais parfois on va vers du mieux, je crois qu'on va vers du mieux. Mais ne refaisons pas la discussion que nous avons fait déjà à 2 reprises, en tout cas je veux que tout le monde entende que Dominique Faure, ministre délégué collectivité territoriale, elle méprise strictement personne, elle aime l'autre, elle aime le citoyen, elle a envie d'améliorer sa qualité de vie, et il n'y a pas une once de mépris dans mes propos. Manon Meunier, vous nous parlez de pansement. Elle est partie également, donc pareil, elle aura un traitement personnalisé si elle le souhaite.
5. Donc, on est sur Catherine Couturier, qui est partie aussi. Elle aura un traitement particulier si elle le souhaite. Mais elle demande un renforcement de la dotation de fonctionnement. C'est pas le lieu. Oui, bien sûr que tous les maires demandent un renforcement de la DGF. Vous pouvez lui dire que, bien sûr, on aimerait bien que de l'argent coule à flot. On est confronté à une contrainte. On est sur ce chemin de crête. On essaye d'accompagner. Je pense qu'on le fait, notre gouvernement. Et grâce à vous, amis députés, en soutien des collectivités locales face à toutes les crises. Cependant, oui, on a 3 000 milliards de dettes. Alors oui, 320 millions d'euros, ça pourrait être beaucoup plus. Mais en attendant, c'est la première fois qu'on augmente la DGF. Donc on va tout faire pour que cette dotation, elle soit renforcée en 2024. On y travaille d'arrache-pied. Mais comprenez bien que ce n'est pas Yaka Faucon. Mettez donc 1 milliard et non pas 320 millions. Ben oui, on a juste 3 000 milliards de dettes. Oui. Le député Di Filippo, qui est venu, et on le remercie d'être venu. Et il nous parle de la biosphère, et il a eu la gentillesse de me dire qu'il me prenait à froid. Donc, à moins que mon cabinet ait la réponse, non. Donc, je prends le point, et on reviendra vers vous. UNESCO, par mail et tout, bonne idée de regarder, d'explorer, qu'on vous dise ce qu'on en pense. Merci à vous. J'en suis à Marie Pochon. Bon, qu'allez-vous faire, vous me demandez, en termes de cohésion des territoires. Un jeune homme est mort, les banlieues s'enflamment. Voilà, donc vous considérez qu'on est les bras ballants. Je le respecte, parce que je respecte tous les députés. On n'est pas bras ballants, on fait énormément de choses. Et après, en matière de cohésion des territoires, France Ruralité, et si vous ne le percevez pas, j'en suis triste, mais à un moment donné, il faut avancer, quoi. France Ruralité, c'est un outil de cohésion des territoires. Et donc, les plans banlieue, avec l'argent que l'on injecte, le président de la République a rappelé ô combien on avait mis de l'argent. On a mis beaucoup plus que le plan Borloo demandait dans l'ANRU, dans les quartiers de politique de la ville. Est-ce que c'est une affaire d'argent? Pas que. On est en train de travailler à l'analyse de ce qui s'est passé, de cette flambée. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite à la conclusion. Ça, vous l'avez vu, je l'ai écrit et je l'ai dit à la presse. Il faut surtout prendre le temps de l'analyse de ce qui s'est passé, parce que, je vous le dis, si vous ne le savez pas, il y a 200 communes sur les 500 qui ont fait l'objet de violences, qui ne sont pas dans des communes dans lesquelles il y a des quartiers de politique de la ville. Donc, ce n'est pas forcément les banlieues, ce n'est pas forcément les banlieues. Et donc, qu'allez-vous faire? Moi, je vous dis, je suis triste si vous ne voyez pas en France Ruralité une volonté forte, délibérée, d'avoir mis des moyens supplémentaires, vous pouvez dire que ce n'est pas assez, en faveur de cette cohésion des territoires, en faveur de l'équilibre et l'équité de ces territoires. Mais bon, on peut après qu'on ne soit pas d'accord et que je le respecte tout à fait. Monsieur le député Roux, vous dites faiblesse de moyens. Il est parti? Non, il est là. Il est là, faiblesse de moyens. Et j'aurais dû le dire aussi, parce que je l'ai dit pour M. Di Filippo. Bienvenue. Excellent. Non, mais bienvenue dans notre commission, parce que vous êtes roux. Parce que c'est moi qui... Roux. Oui. Ouais, roux. Roux. Ouais. Donc, un grand merci aussi pour votre présence, puisque vous ne faites pas partie de cette commission, et merci de venir y participer en tout cas. Et donc, vous nous avez fait des propositions, solutions transpartisanes. Bon, moi, je suis en charge des collectivités locales. J'ai travaillé avec 14 ministères. Voilà, je n'ai pas besoin de vous donner ma pensée personnelle sur ce sujet de l'obligation qu'on pourrait donner à nos médecins de s'installer en zone rurale. Je pense que vous avez eu toutes les réponses de ma collègue Agnès Firmin-Lobodo, de mon collègue François Braun. Ça n'est pas passé, ça n'a pas été validé, ça n'a pas été accepté, essentiellement parce que les médecins s'y opposent frontalement, voire même jusqu'à faire des grèves. Mais en attendant, je pense qu'il ne faut pas l'interpréter. Si vous le voulez bien, vous qui êtes particulièrement modéré et que j'écoute avec attention depuis un an que vous vous posez des questions, une volonté de ne pas accepter une proposition d'une commission transpartisane, elle est plus que bienvenue, sur mes champs en tout cas, collectivités locales et ruralités, vous serez toujours entendu, écouté. Après, je ne fais pas la pluie et le beau temps au gouvernement, et heureusement, on est 40, et en tout cas, je pense que vous avez eu... vous avez eu la réponse de mes collègues. Non, je n'ai pas une vision misérabiliste de la ruralité. J'ai une vision très belle de nos ruralités et j'ai envie que les gens, si aujourd'hui on a ce sentiment de relégation, c'est qu'ils ne s'y sentent pas suffisamment heureux. Il y a des gens heureux en ruralité, il y a des ruralités heureuses, mais ils ne s'y sentent pas suffisamment heureux. Mais ce terme, évitons de se le dire, qu'il y a une vision misérabiliste de la ruralité. C'est dommage parce que
ça ne contribue pas à ce qu'ils se sentent, à ce qu'ils se sentent écoutés, entendus, avec une volonté et une détermination totale d'améliorer leur qualité de vie. Y arrivera-t-on ? On verra et on le mesurera ensemble. Jean-Louis Bricou, puis Guy Bricou. Alors, Jean-Louis Bricou, vous avez tout à fait raison. Parce que vous parlez d'un choc de l'offre et il nous faut aller travailler le choc de la demande sur le sujet du logement. Il nous faut travailler, mais là j'ai un dada dont je ne vous ai pas parlé là. C'est, mais parce que ça y est, mais c'est tous les pactes qu'il nous faut conduire entre les métropoles et les territoires ruraux. Moi j'ai été première vice-présidente de la métropole de Toulouse. Je suis arrivée à en conduire quelques-uns. Des contrats de réciprocité. On est arrivé sur l'agroalimentaire, on est arrivé à éviter la fermeture d'un abattoir, en achetant de la viande de cet abattoir dans le Gers d'ailleurs, pour faire en sorte que toutes les cantines des écoles toulousaines mangent que de la viande en circuit court venue du Gers, au lieu d'acheter de la viande comme on le voit un peu partout. Donc c'est à reproduire ça, et ça c'est le circuit court, mais ensuite il nous faut tisser de ça, c'est du lien sur le bien manger, sur la transformation agroalimentaire, mais sur le logement c'est pareil. À partir du moment où il nous faut sortir de ces métropoles qui mettent des métros et puis qui ne vont pas mettre des trains avec des hauts niveaux de fréquence, avec des villes à une heure, pour qu'on puisse aller habiter dans des villes à une heure et puis travailler dans la métropole si c'est là qu'on a son travail. Donc oui, vous avez une alliée pour travailler sur, pour lutter contre cette métropolisation. Moi je pense que c'est pas le gouvernement qui la souhaite, elle s'est faite malgré nous. Moi, je sens qu'on a là des alliés dans nos habitants qui ont envie, beaucoup plus envie, et nos jeunes, qui aimaient bien avoir le métro au pied, qui aimaient bien avoir le cinéma à côté. Oui, ils aiment toujours certains, mais on en voit plein qui ont envie d'aller vivre à la campagne. Et donc, il nous faut l'organiser par des contrats de réciprocité entre les métropoles et les territoires ruraux. Il faut déconcentrer l'économie. Là, il y a un énorme travail qui est fait par le préfet Rollon, qui était sur ACV précédemment, et qui analyse les friches et les montants qu'il faut que nous investissions. Elles sont quasi toutes en ville moyenne ou en ruralité. Et on va investir de l'argent pour les mettre à niveau, pour qu'on puisse accueillir de l'activité, parce que ça va coûter cher. Mais si on ne veut pas artificialiser, il faut qu'on prépare des territoires déjà artificialisés. Et c'est ce qu'on est en train de faire, donc de industrialiser d'abord sur nos friches et là où elles sont, en les mettant à niveau, parce que certaines ne sont pas dépolluées de friches. Et donc, il y a un travail et de l'investissement qui est à faire, qui sera de l'argent qui n'est pas dans France Ruralité, mais qui viendra compléter le dispositif. Et ensuite, comment vous associer ? J'y ai répondu, monsieur le député Bricou. Je vais vous associer. Alors, quelle échéance on peut faire ce groupe de travail, Pierre ? Est-ce que 15 septembre, ça va être bien ? Non, mais il faut qu'ils nous définissent le groupe de travail. Et nous, il faut qu'on soit... Voilà, c'est tout bon, on a répondu à tout le monde. Madame la ministre, vous avez effectivement répondu à tout le monde. Attendez, chers collègues, parce qu'il y a une petite annonce à faire d'ordre administratif, mais juste 30 secondes. D'abord, merci beaucoup, madame la ministre, d'avoir répondu à tous les collègues. C'est gentil. Je rappelle que nous avons commencé notre audition un peu plus de 17 heures. C'est plus de 2 heures de... J'ai essayé, ouais. Donc, merci. Du temps que vous nous avez consacré. Il y a bien entendu ce service après-vote de ce plan France Ruralité qui est ambitieux, donc nous serons bien entendu à vos côtés, Madame la Ministre. Ce groupe de travail transpartisan que nous devons travailler ensemble, je pense que c'est important d'y associer aussi la Commission des lois, notamment. Et bien entendu, une PPL sur les gardes champêtres aussi qui est née de nos discussions. Exactement. Donc à nous de travailler ensemble sur tous ces sujets. Un petit point avant de clore cette réunion, puisque vous l'avez constaté, demain, nous ne pourrons pas auditionner notre secrétaire général Antoine Pélion. Et donc nous allons remplacer cette audition par l'examen des pétitions qui sont renvoyées à notre commission. Et nous ferons aussi un point de communication sur le bilan des travaux de notre commission au bout d'un an. Pour ce qui concerne les pétitions, notre règlement prévoit la désignation. Alors c'est beaucoup plus informel que sur un projet de loi, sur une proposition de loi,
sur une mission, la désignation d'un rapporteur. Il est d'usage que ce soit le président qui vienne rapporter, donc présenter les pétitions qui ont été présentées dans notre commission. Donc demain matin, je vous présenterai les pétitions qui arrivent dans notre commission en vous présentant bien entendu leur thématique et le nombre de signataires qui ont été déposés dans cette noble assemblée. Voilà, chers collègues, je vous remercie. À demain matin, 9h30 dans cette même salle. Mmh.